11 minutes. Ouais. Attends. Bah nous, tournoi, jouer, rejoignable, moi je suis. Enregistrement, moi je suis en. Je pense que je vais réinstaller Windows de mon côté. Mais rejoignable, du coup, c'est bon en orange. Ah ouais ? C'est bon. Ah ouais ? Moi je suis en orange. Tout à l'heure j'étais en rejoint un moment. Moi j'étais en rejoignable. Moi je suis rejoint dans début dans 10 minutes. Ouais, ouais dans 10 minutes 39. Et là ils me disent go en jeu libre. Alors on tente ça par exemple si je vais en entraînement en jeu libre par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quoi en fait Ok. Va en entraînement pour valider, mais ça n'a aucun sens. Attends, montre. Ah oui, c'est bon, moi c'est validé parce qu'en haut à droite il y a écrit début dans. Donc j'imagine que c'est que c'est validé, non ? Je sais pas, je vais te dire ça. Début ouais, dans 10 minutes et c'est vert moi. Ok, moi je suis. Attends, je vais aller dans. Et toi, t'es allé en entraînement ou t'as juste fait rejoindre ? Je suis en jeu libre là. En jeu libre. Bah, là je pense que c'est good alors. Pour moi, faut voir Rive. Mais je vais aller en jeu libre alors. Jeu libre occasionnel, oui. Petit jeu libre au casse quoi. Entraînement, jeu libre. Ok, c'est bon alors du coup. Bon. Mon chat a l'air de me dire que. Tu sais all good quoi. Après, le ouais, truc, je pense que c'est bon. Moi ça c'est. Moi j'ai plus rien. J'ai rien affiché en haut à droite quoi. Là au début là quand tu lances l'entraînement. Ouais mais même là, là j'ai plus rien d'affiché. Ah le verre a disparu. Ouais moi ça a disparu inscrit. Aussi. Ah je suis pas inscrit. Oh mais c'est relou. Attends mais quoi soir, là. Ah en fait faut que ça soit bon tout le temps d'accord. C'est pas genre une fois. Bah ça c'est doit très pas bien. Être c'est bon un peu chiant comme système en vrai. J'avoue c'est ouais, pas ouf. Jouer tournoi début dans 9 minutes joignable. Je rejoins hop. Il y a 785 000 joueurs en ligne là. Ouais ça m'étonne pas. Tu sais que mec des fois il y a des points à 2 millions. Hein. Ah putain, c'est énorme. Ah oui, il y a beaucoup de et joueurs. C'est ouais. Tous les serveurs, c'est Switch et tout aussi. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est mélangé. J'ai encore l'enregistrement qui bug. Pour commencer le jeu, faut refermer ou refaire le jeu. Je sais pas, mec. Je vais. Mais attendez, je vais redémarrer le jeu. Attendez, je redémarre mon jeu. Putain, mais j'ai. C'est ah, technique. Tu peux créer des tournois aussi. C'est technique. Mmh. Sympa. Si le message est vert, c'est que c'est bon, mais si en orange, il faut aller dans le freeplay pour que ça devienne vert et ça ne devient pas vert, il y aura un message pour te le dire. Ouais, mais là, il n'y a plus bah, de message Rive, du tout. Va peut-être en entraînement libre, ponce, essaye de tag. Ouais, je peux pas, là, ça me fait. Ça bug ? Ouais, ça bug, ça met l'enregistrement qui tourne. Et montre si je vais dans entraînement jeu libre, ce qui se passe, est-ce que j'ai des news peut-être ? Attends, mais c'est pas clair du ah, tout. Ah, début. Quoi ? J'ai début en vert, là. Ah oui, début dans 8 minutes, c'est revenu, c'est Rive, revenu. T'as quelque chose ? Moi, j'ai redémarré mon jeu en fait. Ah. Ah, c'est bon. Okay. Ah. Let's go! Wouh! On a inscrit, on a pas encore joué! Let's go! Les ricains, c'est tout le temps. Let's go! Yeah! Les ricains, ils me fument. Je sais pas si vous matez de temps en temps Dude Perfect. Jamais, les... jamais de ricains. Je déteste l'Amérique de manière générale. Impossible pour moi de regarder des ricains. Je t'avais dit de pas en parler d'ailleurs. Tu me mets très mal à l'aise là sur la question. Waouh. Je me gratte derrière le dos parce que je suis hyper gêné là. Dude Perfect, ils font des défis de ouf et tout. Ah oui, ils sont trop stylés, mais oui. Tout le temps ils sont en train de gueuler, tu sais, en mode. Ah oui, c'est et là en fait, je vais lancer le boomerang et il va revenir. Et t'as les 5 autres qui sont en mode. Let's go. C'est toujours plus. Avec le mec barbu là, avec la casquette à l'envers. Yeah. c'est que du survive de l'un sur l'autre et tout. En mode le mec, il y a un gobelet, il a une balle de ping-pong, il lance dans le gobelet, il est en mode yeah! Ah, c'est mec, mais ils sont 10 à hurler, tu sais, à la full Riken. Bah, par contre, c'est une vraie bande de potes, c'est trop stylé, tu vois. Ils ont leur hangar et tout, ils se régalent, mais genre, c'est vrai que t'es en mode. T'es peut-être un petit peu trop, effectivement. Bon, c'est les États-Unis après, c'est vrai qu'ils sont souvent dans ce truc-là de. Mais ouais. Invite et Rive, quoi, invite et Rive? Je suis dedans là. Non, il est en. C'est bon, il est en jouet là. Ah. Attendez, ah oui, il faut que je vous rejoigne votre groupe du coup. Ah bah du. Mais c'est bon pour moi, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que je suis inscrit, maintenant il faut que je vous rejoigne pour. Voilà, il faut que je sois dans le groupe. Voilà. Si vous... Mais du coup, il faut que je t'invite dans le groupe, c'est ça? Ouais. C'est exactement. Mec, c'est exactement ça, c'est la marche à suivre. Mais. Comment on a pu t'accorder ensemble si t'es pas dans le même, groupe que nous? Parce t'es inscrit que je pense en solo, que non? Ouais, je pense que chacun en fait s'inscrit en solo, puis après tu refais le groupe et en fait tu peux que faire, je pense, tu peux que participer au tournoi avec des gens qui se sont inscrits, tu vois. Je t'ai invité là. Donc chacun peut s'inscrire, je pense, de son côté, mais une fois que. Hop, ouais, bon, mais là je pense que c'est bon. Hein. Ah, c'est bon. Ok. Rive à tag en solo. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas ça, Rive. Ah. Ah ouais, bon ça me semblait un peu louche là. Non, apparemment. Ça me semblait trop compliqué de pour qu'on se retrouve après. Parce que là, toi, qui a quoi là? Moi j'ai dans 6 minutes en moi j'ai début dans 6 minutes 18. Okay. Moi aussi j'ai dans 6 minutes. Et je pense que t'es inscrit tout seul, frère. Je
Tu vas être solo là. Oh non, mais l'enfer. Bah oui, oui, bah forcément. En même temps, si tu t'inscris seul, gros, c'est. C'est sûr. Mais non, on a joué, il y a deux joueurs ensemble, donc normalement. On est amis. Les gens, donc, les gens me disent que c'est bon, les gens me disent que c'est bon dans mon chat. Il me dit t'inquiète, Rino, ne quitte pas. Il me dit là, c'est bon. Il me dit ok. Il me dit touche pas. Tout le monde me dit touche pas. Ok, bah je touche pas. Par contre, si je tag solo, attention. Je sais pas, je sais pas qui des têtes vont tomber, hein. Des têtes vont tomber. Je suis en bas sûr. Hein. Oh là là. Moi, il y a écrit 3v3 au-dessus, ouais, bien sûr, mais on peut pick solo 3v3 pour un tournoi, non? Vous voyez ce que je veux dire? On peut pick solo un tournoi 3v3 et tomber avec des inconnus. Du coup. Ça me semble louche toute cette histoire. Ok, je. C'est quoi en tente? Impossible de s'inscrire à des tournois différents si vous êtes dans le même groupe, donc ça veut dire que c'est safe là. Ok. Ok. Si le groupe était fait avant, c'est bon. Ok, ok, vas-y, hein, let's go. Écoutez, on va partir du principe que c'est bon, c'est début dans 5 minutes. Il y a un sondage qui est parti, c'est bon, vous pensez? Moi, je vais en profiter pour faire un petit pipi d'avant-tournoi quand même, parce qu'après, il va falloir focus. Hein. Donc, j'arrive. C'est combien de temps le tournoi? C'est 2h30, je crois. Non. Ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de matchs. Hein, c'est un marathon. Tu sais. Moi, j'ai déjà ma meuf que je rentrerai pas ce week-end. Tout le week-end, mec. Je pars en LAN avec mes potes depuis mon bureau pour play à Rocket League. L'enfer. Je crois que c'est une. Apparemment, c'est une heure si tu gagnes, quoi. Chérie? Ah, oh, ça va, c'est vachement con, putain. Bah, nous, ce sera genre 5 minutes, un match, quoi. Normalement. L'enfer. Bon, je vais pisser, j'arrive. Bon, je vais deux games, je me prends 3 aériennes. Tu viens, tu joues? Non, non, je suis en game, en fait. Là, j'enchaîne les tournois, donc je peux pas venir. Oh, putain. S'il te plaît. Ouais, je vais aller pisser vite fait aussi. Ok, du coup, j'anime les lives. Entraîne-toi bien hein, pour ton tournoi solo. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de retours, bah ça on le savait, hein, mais hyper positif pour ta chronique, parce que elle était sortie hier sur Popcorn. J'en profite pour faire de la promo. Oh, c'est, oui, oui. C'est vrai que même sur YouTube et tout, les gens étaient vraiment, vraiment sur le cul. Et même tout à l'heure, j'étais avec Ben de Twitch au phone, il était en mode oh non, mais c'était génial. C'était incroyable, Ben. Décidément, tu fais l'unanimité, mec. Sur ce, finalement, je te laisse animer en solo. Merci, salut, merci mec. Beaucoup. Je te laisse tout seul, mon pote. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti pour une superbe soirée. Ah, est-ce qu'il y a de la célibatante ce soir? Ah. Non, mais ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Le King, il est là. Top, la coin. Merci beaucoup pour les retours, évidemment, que ce soit sur les lives de Pompon, de PA et sur le mien. C'est très gentil. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le petit prince de l'histoire, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je n'ai pas encore reçu des messages de menaces de syndicats d'historiens en mode « C'est honteux, monsieur, ce que vous avez fait, c'est honteux, on va vous enlever. » Non, non, c'est bon, j'ai eu quand même des bons retours, donc c'est cool. Mais ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Re, mec, ça va ou pas? Ouais, ça va super. Super. Est-ce qu'on est chaud ce soir hein? Est-ce qu'on est bouillant ce soir, hein, effectivement? Ok, let's go. Ça va être bien. 3 minutes. On va focus, par contre. Mais... Après bien. De ouf. Mec, j'ai qu'une seule envie, c'est de focus en fait là. j'ai même plus envie qu'on se parle entre nous, juste envie qu'on play. Ok, bah on arrête de parler, je suis chaud. Voilà, je bouge. Je bouge du vocal. Je casse en fait. Je bouge vocal moi de mon côté. Moi je connaissais pas les uchronies. Bah tant mieux si vous avez kiffé. Oui, j'ai vu quelques commentaires effectivement sous la vidéo de Popcorn et les gens avaient l'air d'être plutôt contents, donc c'est cool. C'est super sympa. Merci beaucoup Evolution pour le troisième mois. Merci Vexopilo aussi pour le deuxième. Ouais, merci Jean pour l'abonnement. Merci Locrien pour le deuxième mois. Merci Antoine Jean pour le prime. Artiso pour le deuxième mois. Et Sir Lelouch pour les 100 000. Merci beaucoup. Donc du coup, on t'a mis une énorme chaussure sur la banquette arrière. On espère que ça va te plaire. On a mis un barbecue aussi dans le pare-choc avant. On est super content de t'avoir dans l'émission, mec. Putain. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ce cerveau malade, là. C'est ce que je me dis des fois le soir. Hein, on sera téléporté directement dans le tournoi si jamais dans on est bien inscrit. On est téléporté, là dans Je sais pas, genre si on reste dans l'entraînement, ça va. Putain, en fait. Oh oui, je crois que c'est bon, l'entraînement, c'est ce qu'il faut. Vous marquez beaucoup de buts, vous, en entraînement? Bah, ça dépend quel entraînement, quoi. Ouais, moi, je suis pas en entraînement, du coup, là, je marque pas tant que ça de buts, mais... C'est marquer des buts, mais c'est-à-dire en jeu libre, comme ça? Non, non, c'était juste... Bah, là, je suis à 700 buts en carrière, pas loin de Cristiano, quoi, donc... C'était pour un truc comme ça, quoi. Ouais, j'en marque quelques-uns, ça m'est arrivé. Oh là là. Et donc, du coup, c'est match, si jamais on gagne, on gagne. Bien vu. Vous sentez le coup foireux du tournoi à la base de je vais taguer solo et. Bah. Et vous êtes tous les deux. En vrai, ça peut. Hein. Non, moi, j'y crois pas ça. Très joli.
Non, non, c'est impossible. C'est impossible, non, tu m'entends? Non, je pense que... Les gens ne auraient pas menti comme ça. Je pense pas, ce serait honteux. Il y a des têtes qui vont tomber, hein. J'ai noté les pseudos. Il y aura des bans, hein. Il y aura sanction. Ok. Je m'entraîne en contrôle de balle, là, je peux vous dire que... Si vous voyez des passements de jambes tout à l'heure, c'est tout à fait normal, quoi. Moi, je tente des choses, je regarde des choses. Mais comment tu peux faire des passements de jambes, PA, avec une voiture? C'est pas possible. Enfin, mec... Passement de roue, ouais. Très propre. J'ai pas encore vu de passement de roue dans le jeu, mais très curieux de voir comment t'arrives à le faire. Le gars fatigant. Surtout. Mec, fait vraiment exprès de pas comprendre. Il a du mal à comprendre le second degré. Le mec est un chat Twitch à lui tout seul, quoi. Oh, petit échauffement. 20 secondes, les gars, 20 secondes, les gars. S'il y en a qui veulent se mettre quelques gifles ou autres, c'est le moment. Ok, coach. Enfin, 10 secondes, 10 secondes, on est téléporté, on les fume. Agressif, hein. on se parle, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé en rotation, etc. On dit tout, attends. C'est vrai que Ponce me parle plus depuis un moment. Non mais, on en profite pour le dire, mais putain. Création du tableau, putain, on va savoir là. Oh, c'est fou, il y a 32 équipes là du coup. Vous imaginez, on fume les 31 équipes avec nous. Ce serait une série. On est cité ou pas? Plutôt bien cité, ouais. On va avoir un énorme coup de clim dès le premier match, ça va être énorme. Véritable clou de clim. Un véritable clou de clim. Allez. Ah, ça prend 5 minutes la création, ok. Ok, en fait. Création du tableau, ouais. Ouais, c'est en création. Faut quitter du coup. Bah, je crois que c'est le moment là. Faut reboot et. Ah, ça va focus et tout là. Faut quitter le practice pour être safe. Ah, vous pensez? Ah bon? Moi, on m'a dit que c'est justement fallait. Je pense attaque pendant. Dans le practice. Non, non, je pense que c'est safe le practice en vrai. Ouais, c'est marqué in game, je pense que tranquille. Non, je crois on m'a dit que ça prenait un peu de temps juste la création du tableau. Fake info. 1 minute 27, moi j'ai. Respirez, respirez les gars. Ah oui, 1 minute 24, ouais. Ah oui. En vrai, ce serait énorme, ce serait énorme. Si, il faut jouer, hein, il faut jouer. Oh, j'ai trop hâte de mettre des buts exceptionnels. Ah, je veux que ça s'envole, les gars. Ah, mec, je vais m'envoler. Par contre, moi, je joue très très haut en ce moment. Très 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 haut. En pensant à des tournois, j'aimerais trop refaire des tournois, tu sais, des tournois de 6. C'est comme ça qu'ils appellent ça, tu sais, des tournois un peu de dimanche après-midi, là. À 5 avec tes potes. Sur quoi? Okay. Sur quoi, ouais. Mais tu sais, mais des vrais tournois de football, tu sais, ça existe. Ah, des failles, genre. D'accord. Ouais, des failles, ouais. C'était pas très clair. Ah, excusez-moi, en fait, ça s'appelle des tournois de 6, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est des tournois. C'est sur des demi-terrains et. Ah, je sais plus comment. Ça s'appelle comme ça. Et en gros, bah, tu sais, bah, je sais pas, c'est souvent le bar du coin qui organise un petit tournoi et n'importe qui s'inscrit et puis ça play, quoi. Et c'est du vrai football, effectivement. Genre, mais du coup, tu joues quoi, à 6? Ouais, tu joues à 6 sur des demi-terrains, ouais. Ah, c'est pas mal, putain, moi je joue à 7, c'est cool. T'as beaucoup joué, toi, au foot, Rive, ou... Moi, j'ai fait 50 foot, ouais. Ouais. Les gars, je crois que le FC Silmi il va devoir se retrouver sur un vrai terrain à un moment. Ouais, je pense qu'il y a pas ça. Au moins un 5, au moins un 5. Un petit 5, ça peut être drôle. Pompon au cache dans la vraie vie. Oh, j'ai trop envie de voir ça. Je vais sauter, gros, sur toutes les balles. J'ai trop envie de voir ça. Au cache, il a une bonne frappe à 2 mètres dans la gueule. Dans la gueule du pompon, là. C'est vraiment horrible. Histoire de bien se régaler, là. Oh, ouais, ça peut me plaire. Ça va chauffer avec Gijou. L'entrée de Gijou, faut le timer, ces entrées. Ah, faut le... L'entrée de Gijou sur le terrain, messieurs, dames, vous l'attendiez. Ouais, Gijou qui remplace MV. On joue contre Furtigo, c'est ça? Oh, ça va game là, oui. Oh, mais ça serait le feu, ça. Contre Furtigo. On va se faire un gros five. Il nous faut des adversaires, par contre. Et là, on a quoi? On a encore 2 minutes là avant de. Bah, moi, merci beaucoup, Yaline, pour le 5e mois. Merci, Raphaël'ours, pour le 6e mois. Nino, merci pour le 4e mois. Mivi, merci beaucoup pour le 4e mois aussi. Et Thibaut, merci pour le 3e mois. Donc là, si vous ne savez pas ce qu'on va faire, les fleurs, on va faire un tournoi. Les tournois, c'est tous les vendredis à 17. 20 allez, et 23h, et c'est tournoi contre des gens à peu près de notre niveau, mais c'est okay, vrai tournoi. Let's go, les gars, quoi. Merde, je suis mute. Les Furtigo là. Ok. C'est quoi? Appuyez sur A pour vous préparer, je suis prêt. Ils sont même pas encore sortis du vestiaire. Non, de la com, on sait qu'il y a du ballon, on se replace bien, de la belle rota, on le fait naturellement. Donc là, si on le fait en parlant, c'est. T'as vu ma nouvelle caisse ou pas, Pierre? C'est vrai qu'elle est stylée. Elle brille. Gros châssis. Mais surtout que c'est une Fennec.
En fait, c'est marrant, c'est exactement la même hitbox que la vôtre. Ouais. Sauf qu'en fait, la hitbox de celle que vous jouez, c'est graphiquement la gueule de la Fennec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la Fennec, c'est la hitbox réelle. Et vous, ce que vous jouez, bah, c'est la même hitbox que la Fennec, mais au niveau de la gueule, ça a une autre gueule, donc c'est chelou. Ok. Voilà. Okay. Oh, il a des roues en or. Il a gagné, gagné un tournoi. Je précise aux modérateurs. Si jamais les modérateurs voulaient faire des bêtes et tout, je vous laisse faire, je vous laisse gérer, je vous fais confiance. Si vous voulez pas en faire, vous en faites pas. Je vous laisse gérer les modos, il y a aucun souci. Voilà. Il tourne. Merci Zouzou pour le troisième mois. Merci beaucoup. Pompon, montre-lui, Pompon, là, c'est le moment. Tu veux que je le montre? Ouais, fais des trucs. Comme ça. Oh, stylé. Merci. Je regarde. Dans le sol. Ah, il se met la tête dans le sol, hein, Riff, pense pour nous. La tête dans le sol, le pompon. Oh, il a l'air puissant. Regarde, non, on se lève, là, regarde, check ça. Je pars en break. Ok, c'est un Vitality, c'est K-Dop. C'est mort. C'est K-Dop en face. Putain, mais ils ont beaucoup de badges quand même. Non, ils jouent. Ils ont beaucoup d'investissements dans le jeu. Merci Pazou pour le pack, merci beaucoup Pazou. Allez, les gars. C'est pour qui? J'y vais. Ok, je suis proche. À la guerre, les gars. Je suis derrière. J'y mettrai la tête dans le mur pour vous. Pardon, vas-y, je reviens. Ok, je me replace. Je suis point de péno. Ah, il m'a poussé. Ok, tu peux attaquer, PA. Ok, j'attends de voir comment elle vient celle-là. Bien, je la touche, bien. Ok, je vais attaquer. Je me replace. Vers le centre. Ok, ah, j'ai voulu lui pinch. J'ai. Non. Okay. J'attends en bouche, je suis boostless. Moi je. Je vais l'attaquer cette balle. Putain, balle, okay. Ouais, c'est bon. Furtigo. Y'a rien, en vrai, y'a rien. Je la tape un peu loin là. Au 22, ok, je vais attaquer. Okay. Ouais, j'attaque, je suis au centre. J'essaye de la pousser, il a contre, je me replace derrière. Vous pouvez monter. Tu la touches, pompon. Dommage, les gars, belle action. Je me replace, je reviens vite. C'est bon, tu peux attaquer cette balle, je sais pas qui est là, mais. C'est contré, je continue à presser. C'est bien ça. Ah, je mets la presse. Oh, dommage. Tu reviens, Riff, tu reviens. Ouais, je reviens. Monte mon pont. Ouais, je sais pas trop ce qu'ils font là. Ok, je vais la pousser. Ok, Riv. Super l'initiative, Riv là. Ouais, je sors. Hein. Vas-y, je repars. Je vais vous la centrer. Attendez un peu. Attends, c'est chaud, c'est un peu compliqué. Quelqu'un revient, tu peux monter, Riv. Vas-y. Ok, il la lève. Hop. Ok. Je vais revenir, faut que j'arrête. Je la loupe. Vas-y, sors. Ah, il a. Aïe, j'ai bégayé. Ah, je suis désolé, j'ai confondu les couleurs. J'ai cru que c'était. Non, c'est moi là. Je pense que je peux. C'est 100% responsabilité. En fait, en gros, c'était Pompon qui revenait en bleu. J'ai un peu fucked up. Moi j'ai bégayé dans les cages, mais. C'est pas fini en vrai, y'a rien. Non, je suis passé à côté de la balle. Y'a pas de soucis, les gars. 3 minutes 20. On voit qu'on a largement de quoi le faire. Ok. Je suis en double lame. Ce terme qui est resté sans aucune raison, ça me fait. Ok, j'y vais. Il est très. Je trouve qu'il définit vachement de choses. Oh, ils sont lobés. Oh, c'est bien ça. Oh, dommage. Tu reviens vite, PA. Ouais, je suis déjà là. Ok. Parce que là, je vais attaquer violemment, là, je pense. Ah ouais, on va se libérer. Vas-y, là. Riff, si t'as un truc. Je la j'y vais sur cette balle. Ouais, j'attaque aussi. Elle est dangereuse. La pousser. Je reste quand même pas très loin. Pousser. Ouais, c'est pas mal. Un peu... Ça les embête un peu. Okay. J'ai cette balle. Attention quand même à ce qu'ils nous mettent. Hein. C'est de l'autre côté. Je suis dans les cages. Ok. Tu la touches. Tu peux la pousser encore. Oui. C'est bien. Un peu lobé. Ça arrête. Tu reviens, PA. Hop, je la ressens. Je suis loin. J'ai cette balle, je pense. J'ai pas. Je suis dans les cages. J'ai pas de boost. Ça. Oh, ça go, ça revient. Il faut la pousser. C'est de la pousser. Je fais n'importe quoi. Tant bien que mal. Super, la sortie arrive. Je suis dans les cages, vous pouvez monter. Ok, je monte. Je suis au point de péno. Je suis au point de péno. Ok. Ça cafouille. Si on arrive à toucher ça, peut-être qu'on peut en profiter. Centre. Ah, c'est un peu pinché. Je vais peut-être la remettre. Vas-y, moi je suis toujours au centre. Je vais juste pas la remettre en fait. Ok. Ah. Ça essaie de jouer sol. T'es dans les cages, Riv? Ouais, je suis dans les cages. Tu peux sortir si t'as une. Oh, une lob. C'est bon, j'ai cover ici. Ok. Vas-y. Ok, j'agresse. Ok. Chaud. Oh non, je la rate aussi. Tranquille. PA, peut-être tu peux la récupérer? Non, elle est loin. Il la rate. Oh, il me met en 1-2, je le gêne. Super. Ok, j'attaque. Oh, la double. Non.
Tranquille. C'est au-dessus. Allez. Il m'a pris le boost. Je suis derrière, vous pouvez avancer à deux. Ouais, ok, je vais attaquer cette balle. Non. Je suis derrière, j'ai pas de boost, donc allez-y. Ok. Je reviens. J'attaque, ça me fume. Oh putain, il l'a avant moi. Bien, Riv. Ok, bien, on peut contre-attaque. Super, on monte là-dessus, on monte les gars. C'est peut-être pour nous. Hein. Oui. FC Silmi. Dégage. Je démolis deux secondes après. Allez, on y va. On y va, les gars. On peut le faire. On ressort ça. Bien. Super Ponce. Ok. Minute, c'est le timing. C'est maintenant. Vas-y PA. Ok. Forcez bien. J'ai deux doigts de la toucher, mais non. Ce qui est chiant du coup. Allez, on va y arriver. Je la décale. Hop, je la redécale. On se bat. Hein. Ouais, de fou. On va commencer à tous monter là, je pense. Hein. Hop, c'est centré. PA. Oui, yes, allez les gars, on commence. Bien joué PA, bien allez, joué. 30 secondes là. Mais attends, tu t'es un peu envolé en plus. Mais oui, j'ai quand même. Mais oui, il est là. Non, tu t'es allé. Allez. Ah, tu régales. Vas-y Rive, je suis juste derrière. Je vais chercher du boost. Vas-y Rive. Ok. Bien. Allez, on le plante avant là. Il passe ? Oui. Dommage. Bien joué. On peut mettre une pression, je pense. Vas-y, moi je suis derrière. Vas-y, PA. Au centre ? Ah, oh, dommage, il a contre. Je la remets. Je me replace, j'ai pas de boost, je suis en def. Ok. Je reste quand même vers le centre, je pense que je peux. Ok, je reviens. 10 secondes, hein, ça va vite là. je la dégage. Oh, putain, ça va partir directement en temps additionnel. Quelle angoisse, putain. Ok. Oh là là. Tu vas PA ou pas ? J'y vais. Tu peux y aller vite ? Je suis en double lame. Chez nous, je suis dans les cages. Voilà, il passe. Rive, bien joué. Super, je suis dans les cages, vous pouvez y aller. Ok, je vais attaquer du coup avec Rive. Ok, Rive, tu peux pousser. Je peux pas plus là. Hop. Okay, il attend son boost. Tiens, c'est bien, c'est pour Rive sur le côté. C'est poussé. J'y retourne. Allez, je les embête. Vas-y, attaque PA. Vas-y, PA. Deuxième. Yes, bien joué. On va au bout, c'est gagné ce match. Let's go! Oh, super! Oh là là, encore une fois la combinaison! Oh, les deux joueurs qui s'entendent extrêmement bien dans la surface! Oh là là, let's go! C'est gagné les gars! Notre premier tournoi, c'est 100% de win rate pour l'instant! Ça dégage avec ses badges, avec toutes ses figures là! Ah oui, ça oui! Oh, c'était dur! C'était stylé, c'était un bon match! Ah bah, c'est juste un passage à la manche 2 de notre côté quoi! Sachant que c'est des mecs qui ont gagné le tournoi des Golds, enfin qui ont gagné le tournoi! Donc en vrai, propre! Il y a combien de et tout. On dirait qu'ils ont déjà gagné la finale. Wow, t'imagines pas comment on va gueuler si on gagne une finale. Ouais, si on gagne une finale là, je crois que là. Non, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. On a passé un tour. Non, c'est. Du coup, en fait, ça te classe. Ah, t'as un classement des différents trucs. Ouais. Mais pourquoi c'est on a zéro but au total, nous. Allez, on joue. Attends, tu vois comment le. Bah, moi, j'ai fait continuer. Du coup, t'as le tableau. Et à droite du tableau, t'as des stats. Alors, forcément, moi, je vais regarder. Ouais, non, mais tu fais bien. Il y avait des stats, j'ai vu un peu, voir les arrêts, comment juste on est et tout. Pour votre information, on est en tournoi plate là. Tournoi plate ici. Oh putain, c'était pas actualisé. On est dans la game, Ah bon ? Regardez, je m'envole. Ouais. Mais non. Ce qui est bizarre, nous, ça nous a mis en prépa. Ça vient. Ça mec, ça débute dans une minute 50. C'est bon, je suis là. Non, ça, je rentre dedans. J'ai eu peur. C'est pour ça que je me suis dit juste, je te voyais pas dans le truc. Mais... Non, c'est bon. C'est bon, je suis là. Let's go. Calmez-vous, vous avez un niveau argent. Bah non, plate, puisque je suis plate. Enfin, je vois pas ce que tu ne comprends pas. Les gens ont du mal à comprendre quand même, hein, c'est fou. Bah ouais, mais non, mec, c'est juste que je pense que t'as hacké le système, t'as juste un peu de chance, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Allez, vous y allez. Direct, les mecs. Ça part, ouais, direct. Je suis derrière. Allez, on est bon. On est bon. Hein. Je vais chercher le boost. Dommage. Tu peux y aller, Pont, je suis derrière. C'est bon. J'ai pas de boost. Okay, j'ai un peu. Ouais, vas-y, PA, c'est magnifique ce que t'es en train de faire. C'est sublime. Bizarre, peut-être. Non ! Dommage, Rive. Dommage. Je suis derrière. C'est pas fini. Le double tap derrière ? Oh, dommage. Je la remets. Vas-y, on leur met une pression, on les étouffe. Non, je l'ai pas. Tu l'arrives ? Elle est chiante cette balle.
Ouais, je l'ai gêné. Oh, on s'est gêné. Je suis allé trop loin. On s'est gêné. C'est pas grave, go. Y'a rien. En vrai, on a fait pas ouf. Je pensais qu'il allait la tirer, là. Après, j'aurais dû la dégager plus loin, Ouais. Ponce en double. Y'a R en vrai. Ouais, je suis derrière, Rive. Je tape ça. Ok, je tape pas ça. Personne n'a tapé, personne n'a tapé. Je gêne ça. Du coup, je vais continuer à mettre une petite pression, peut-être. Oh oui. Oh non, je passe au-dessus, je suis un chien. Attention, hein, faut pas qu'on commit tous. Je reviens, je suis dans les cages. Je la remets chez eux. Oh oui. Oh non, dommage. En vrai, c'était free. Dommage. De ouf. Boom. Oh oui. Bien, pense. Je continue à pousser. En vrai, il y a de la place, hein. Ah, allez-y. Ouais. Dommage. Ouf. Père, oh, il faut la décaler, Père. Dommage. Oh la chatte qu'ils ont, c'est fou. Dommage. Oh non, j'en veux. Oh là là, c'est sur ce compte. Oh non, c'est incroyable. Tranquille. La réussite est folle. Et c'est Rocket League, il y a 0-2. 4 minutes, ça se remonte. Allez, c'est pas grave. NP, 3 minutes, 4 minutes. On est bien. Et on met de la pression là-bas. Je la tape. Dommage. Ah, dommage, hop, je la ponce si tu veux. J'ai contré au moins. Okay. Bien, c'est parfait. Oh merde, j'ai pris juste devant toi, putain, quel con. C'est pas grave, tranquille. Oh, c'est gêné. C'est pas grave. J'étais sur un total int là. J'ai pris le bout de ponce et ensuite je suis allé taper le rip. Ah ouais, j'ai voulu être sur tous les ballons là. Là c'est. Il faut mieux qu'on gère nos. Ok, on discute 3 minutes 30, les mecs, connectons. Vas-y, OP1. Vas-y, PH. Ok, vas-y, je suis là. Je reviens, je vais chercher le boost. Je vais aller la prendre celle-là. Je l'ai, hein. Non, pardon, j'aurais dû le dire. Je suis dans les cages. Je suis là, voilà. Allez, on y va là. Ça part de là. Ça part de là. On va y aller. Ok, je suis derrière EPA. Ok, j'ai dribblé, j'ai dribblé. Je reste derrière. Au centre peut-être ? Quelque chose ? Ouais, Pompon y est. Dommage. Elle était parfaite, c'est bien Rive. Continue à mettre de la presse. Encore tu les peux. Gars, c'est comme ça. En 3 minutes, on peut en mettre 3. Continue. Je recule un peu, je reprends du boost. Tu l'as, EPA ? Ouais. Bien. Ah, je la prends celle-là. Ok, je la dégage. Ça revient. Ah ! Sorti des cages pour rien du coup. Il met de la pression, mais on va pousser. Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est ça part de là. Allez, ça se fait un. 3-1 en 2 minutes 40, honnêtement, c'est NP. Ah ouais, non mais. On a fait des petites gourdes, des petites bourses. Ça part de là. Il y a eu des comptes favorables et tout. Donc tu aurais 4-1, ça serait la même. C'est vraiment aucun souci là. Vas-y, je vais chercher le boost derrière. Pardon, j'aurais pas dû sauter comme ça. Pas grave, j'ai ça. Nice. Là, je reviens, avancez tous les deux. Je reviens. Ah, je suis en dessous. J'ai. J'essaye de la cadrer. Ça peut limite être quelque chose, ça. Hein. Ça peut être pas dégueulasse. Oh, il est la claque. Vas-y, PA, t'as accès de balle si dommage, tu peux. Je la rate. Ok. C'est bien ça. Ok, je suis dans. Ah, j'avais. Pardon. Je me replace. Du coup, je sors. Ouais, place-toi, PA, si tu peux. Allez, on y va, les gars. Allez, c'est parti, 2 minutes là. Oui, allez, j'y vais. Ouais. Oh, oui, le compte favorable. Hop, c'est une feinte. Pour quelqu'un vous, qui. Vous frappe. Revenez, quand, Rive. Je le dégage. Elle est recentrée. Je suis derrière, ponce aussi. Je l'ai touché, elle était cadrée. Ah, dommage. Je frappe fort. Je vois rien. Oui, tu l'as touché. Tu reviens, Rive, Je peux revenir, ouais. Ok, Rive, tu vas pouvoir remonter. J'essaie de la bloquer, ok, ils l'ont. Dommage. Dommage. Putain, c'est fou. Ah, c'est dur. C'est dur, là. Ça joue un peu mieux qu'avant, quand même. Hein, mais. Ouais, mais en fait, ça se récupère. Ça peut encore, ça peut. Ah, ça peut, bien sûr. Je reviens pas bien. En fait, je dois pas rester sur le côté, là, je dois être derrière Ponce. C'est Rocket League. En vrai, c'est Rocket League. Go. PA, t'y vas, Rive, t'y vas derrière. Moi, je suis juste là, au cas où. Voilà, moi je vais fracasser cette balle. Je l'ai pas touché. C'est lui qui l'a. Il la contre. Oh merde, putain, je pensais qu'on avait. Oh mais je passe au-dessus. Terrible. Ok, allez go. Je la retouche encore. Bien. Je vais essayer de la pousser. Ah, je me précipite de ouf. Oh mais ils font des contrôles du toit.
J'ai ça. Ok, PA peut-être. Ah, t'as pas trop de force, mais bon. Ouais, ça... Oh oui. Hop là. C'est je sais pas si je peux y aller, les gars. Ouais, vas-y, viens. De toute façon, c'est tout pour l'attaque, là. Hein. Ok. Au centre. Ah, oh, elle est trop loin. Allez. Ah non. Encore, peut-être au centre. Une dinguerie. Une dingue. Oh la chatte. Ah, j'essaie de revenir, mais. Ouais. Ah, dommage. Aïe. J'avoue, je sais pas monter en fait, vous revenez dur, pas, mais dur, ouais. Je savais pas. Ouais, pardon, je suis resté, je suis en mode A4-1, je suis en mode de bon bah. Ouais, non, mais c'est vrai. Peut-être encore un petit espoir là-dessus. Oui. Pousser. Ah, c'est pas ouf. Ah, t'aurais dû être de l'autre côté, je pense, dommage. Bon, bah, c'est but, hein. Sauf si ponce son exploit. Ah, dommage. Bon, on aura essayé. Aïe. Ah non, parce que si on perd en deuxième tour, il ne doit pas y avoir de. Il y a un loser bracket ou c'est genre consolante? Ouais, est-ce qu'il y a une consolante, ce serait cool, ouais. Parce que si c'est consolante, c'est parfois c'est que ceux qui perdent au premier tour qui. Oui, c'est vrai. Apparemment, je crois que c'est vraiment une consolante. Ouais, c'est fini, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pour le premier tour. Oh non. C'est terrible. On aurait dû mettre au premier. C'est terrible. On a passé un tour quand même. Ouais. Bon bah merci les gars. C'était pas de bashing. Pas de bashing, tranquille, on reste ouais. Ouais. Allez. Moi je bloque les. On peut signaler les mecs quand même. Tu es une très jolie fleur. Ah, éliminer manche 2. Oh, c'est dur. J'ai après, pas faim. Enfin, voilà, bon match, 50% de win quoi. C'est... 50% de win. Ouais, en termes de ratio, c'est 50% de win. Top 16, on fait top 16 les gars. On fait. Ouais, top 16, c'est vrai. Top 16, c'est rassurant. On fait un top 16, on va chercher un top 16. Bah, moi, dans top 3 hebdomadaire, il y a marqué top 16 en gros. Hein, et Go celui de 20h, les gars. Go celui de 20h. Hein. qui est plutôt pas moche en plus. Hein. On enchaîne, c'est bien, comme ça, on s'arrête pas trop. On est content d'avoir gagné le premier match, quoi. Ouais. J'avoue que ça m'aurait fait chier de perdre le direct au début, mais bon, comme quoi, on était. Bon. On était en tournoi plate aussi, hein. C'est clair que voilà, c'est pas. Un niveau qui est quand même assez. Très clairement dû jouer sur nos smurfs quoi. Comment c'est possible que vous soyez en tournoi plate? Bah, toujours pareil. Hein. On est plate en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est toujours. Toujours une question de hello quoi, et de classement. Et comme c'est le classement, bah, finalement on est. Truc, on est plate quoi, depuis maintenant quand même 2 mois quoi. Donc, c'est un peu le. C'est ça quoi. Pas trop de c'est la boucle hein. c'est la boucle c'est toujours la même c'est y a pas de ouais on mais comment c'est comment en enquête ou ouais en vrai moi je suis chaud quelques games si vous, ouais, vous êtes ouais, chaud je suis aussi. Très chaud bon, c'était l'idée c'était de jouer ensemble avant tout quoi, que... au-delà du tournoi il y avait autre chose de ouais. Enfin juste ouais, des potes les gars moi je bouge c'était cool je vais taguer en solo perso bisous les gars salut moi aussi de mon côté ciao Simer pour les games merci Diasco pour le 21e ouais. Mois, merci Iserban pour le 5e, merci Dofa pour le 12e, Gwynvo pour le 8e, Prides pour le 12e, Drava pour le 2e mois, et le Fléau Ganon, merci pour le 3e mois aussi. Merci à vous. Allez, ça go podcast, tranquille. Go podcast. Tranquillement. Merde, comment est-ce que je fais pour ouvrir mes caisses dans le garage? C'est où les on a des récompenses vraiment? Attends, j'ai tagué ou pas? On me dit que j'ai des reps. Hein. C'est quoi des plans? Ah oh ouais, j'ai des. Moi j'ai toujours j'ai pas compris butins, les récompenses. J'ai des butins rares, des butins, des butins un peu courants. Oh, je savais pas ça. Ah oui. Okay. Fin du rêve. Et let's go, Platin, let's go. Et du coup, on disait les LAN. Parce qu'on y revient du coup, hein, finalement. Oh la vache. Non, mais c'était sympa la petite excitation. J'avoue que c'est assez cool. Ah, mais cool, il faut le refaire. Je pense qu'il faudra le refaire. Bon, faut le refaire. Faut le refaire. Bon, en vrai, c'est sympa parce que ça peut nous permettre d'avoir discuté et tout, et ensuite t'as juste le petit stress qui ouais, peut durer. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah, comme ça, temps, tu parles un petit moment, puis après t'es en mode ok, on tryhard, on focus un peu plus et tout, c'est bien, ouais. Et c'était pas non plus imprenable le niveau, c'est-à-dire qu'on a perdu, mais t'avais pas l'impression que le mec, quoi qu'il arrive, il allait fumer, quoi. Je suis d'accord, ouais. Après, des fois, tu te prends des games que tu perds 5-1 alors que t'as à peu près leur niveau et tout. Enfin, en tout cas, je suis d'accord, c'était, ça me semble pas infaisable. Je me dis pas, ah ouais, quand même, va falloir qu'on joue 1000 heures avant de revenir. C'est mal payé, quoi, j'avoue, j'étais en mode. Ouais, 5-1, c'est mal payé, tout, je trouve aussi. Non, je pense à coup d'un tournoi par vendredi. On va finir par en gagner. Peut-être qu'avant 2022, ça gagne. Hein, c'est moyen. S'il n'y a pas trop de départs en vacances ou quoi, normalement, on va pouvoir. Bah, Athènes, on est streamer, hein, finalement. On part en vacances, c'est pas non plus tout le temps, quoi. Donc... Oh, encore, on refait la même, encore une fois. Oh là là. Ponce qui tape dans tous ses collègues. Excusez-moi. Moi, j'ai pas fait une belle game, en vrai, là.
Je m'en veux un peu, je mettrai le replay en vrai parce que ça me détruit. Personne n'était en. Qui de nous trois peut me regarder dans les yeux et dire franchement les gars, je me suis vraiment senti au-dessus donc. Un peu déçu de vous les mecs. Oh la grosse, c'était un tir cadré. Pas de doigt d'avoir une masterclass sur le terrain. Sur le terrain, c'est exceptionnel, c'est dingue. Allez, c'était pas loin. C'était fou ça. Ça, c'est centré. Par contre, on a eu une vraie connexion, un père, sur le premier match. Les deux passes de but. C'était très propre quoi. On essaye de se placer. Renard des surfaces. Opportuniste. C'est comme ça qu'on l'aime. Ah. Dis-moi, est-ce que PA en tant que coach sur Football Manager, c'est un petit peu aiguisé ta vision de footballistique finalement? Ah, ça joue forcément. Putain, je la mets en l'air, je la lève. Oh, je repars. Mais c'est sauf. Oh non, c'est direct dans les buts. C'est Rive. Oh, mais Rive est là. Je fais une interview pour SoFoot, on s'intéresse un petit peu au phénomène digital. On aimerait savoir si. Si finalement il n'existe pas un nouveau football, un football de l'internet quoi, tu vois. Bah y a eu ça mec hein. De quoi y a eu ça, c'est-à-dire comme article? Il y a une interview sur foot là. Mais non. Ah je pensais que tu te relèves, pardon, je pensais que... Ah y a eu vraiment une interview sur foot? Ouais bien sûr, sur Coach Bijou, enfin... Incroyable. Pardon. Il veut pas paraître prétentieux le mec. Ah non pas du tout, mais nous on rigolait, mais c'est marrant que ce soit vrai quoi. C'est de barre. Non, ouais sur FM, un peu sur tout ça, c'était un petit truc assez rigolo, ouais bah voilà. Pas du tout, j'imaginais les questions, mais ça se trouve, t'as vraiment. Mais du coup, il parlait vraiment du football, sur ma vision du 4-3-3 moderne. Savoir si un jour t'allais reprendre. Guardiola finalement. Tu peux peut-être prendre le rôle de sélectionneur d'équipe de France un jour, tu penses, PA ou pas? Ouais, ça peut. Non mais je ferais ça là sur l'euro là. Non mais sans déconner, tu sais, genre. Vous pensez que c'est possible que grâce au digital. Il s'appelle Pierre-Alexis Bizot. De sa chambre, il est désormais devenu sélectionneur de l'équipe de France. Inconnu auprès du grand public, il est aujourd'hui le numéro 1 du football français. Il est trop fort. Va-t-il faire rêver l'Hexagone lors de la prochaine Coupe du Monde? Qui va-t-il titulariser? Jijou ou un autre? Nous aurons la réponse dans quelques jours face à l'Ukraine pour le premier match éliminatoire. Putain, t'es le meilleur. Mais en vrai, c'est parfait. Je vais garder ça pour le trailer. Je vais. Il y a l'euro dans 2 mois là. Je vais faire l'euro sur FM. Ça sera le trailer parfait, la voix. Je t'en conjure, je te fais la voix. Je t'en conjure. C'est parfait. S'il te plaît. Quel crack, putain. Ah, tu vas faire l'euro sur FM. Musique. Ouais, bah, j'avais fait ça pour la Coupe du Monde. J'avais gagné un mois avant. On a gagné après. J'étais en mode, allez. Oh, j'avoue. Bon, si je perds, on perd. Hein, par contre, hein. Je vous préviens. Sûr. Je préviens tout de suite. Je vais pas te déçu. Ah oh, putain, Rivenzi quoi. Mais oui, mais c'est de trop stylé du coup que SoFoot en vrai. En plus, ils ont une vision un petit peu nouvelle du magazine et tout, de l'enquête de foot, c'est pas mal en vrai. Bah en vrai, c'était rigolo, ouais, c'était pour parler un peu du phénomène FM et un peu même du foot de moi dans. Mm-hmm. Enfin, ce que je kiffe dans le foot, l'OL et tout, c'était sympa. Ta carrière quoi, finalement. Enfin voilà, tout simplement. Mes débuts en U17, la blessure, malheureusement. Blessure, allez. Le retour. Croiset, tu connais. Le qui me vire, forcément. Enfin bon, je vais revenir là-dessus. Mais... Terrible. Hein. Je connais, hein. À deux doigts d'être sectionné au PSG, mais les croisés, quoi. Grand espoir du football francilien, mais malheureusement. Les croisés. Oh, je commence à faire ça, par contre. Je commence dommage, à faire j'arrivais juste derrière. Aïe, 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 aïe. Sur un gros step-up, toi. Tu es une très jolie fleur. Gros step-up, je sais pas, mais. C'est vrai que le FC Silmi a relancé en moi des sensations footballistiques, c'est clair. C'est clair. Bon, par contre, il va falloir que j'arrête de sauter pour rien, là. Oh merde, je suis lobé. Oh oui, pompon. ne jamais le chauffer. Non, jamais. Jamais. Vraiment, c'est le pire move de me chauffer. Ah non. Oh. Je me permets. Oui, très très belle arrêt, t'as bien fait. Allez, on la pousse cette balle, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout les gars, c'est maintenant. Oh la contre-attaque, au bout. Oh l'angle de Zarbrovic. Oh oui. Oui. Oh là là, elle est magnifique. Oh, 16 secondes de la fin. Il fallait y aller. L'angle était diabolique pour le coup. Diabolique. Mais Riv, t'es exactement à l'endroit où tu devrais être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est fou le trône. Sure. Ok. Ni plus ni moins. Pardon, excusez-moi. Sur le trône. Dans la surface, c'était plutôt ça la réponse. À cet endroit-là de la surface aussi. C'est ça que j'entends par là. Enfin, bien sûr, en tant que professionnel rocketique, je me permets de donner 2-3 conseils de placement, bien sûr. Oh la frappe, c'est but, c'est fini. Oh, ça aurait été insane. Oh, quelqu'un la reprend. Par contre, vous savez que le mec a quand même fait un reset et tout. Enfin, je crois qu'il y a un mec en face. Oh, mais non, il est nul, on peut les garder en l'air encore.
Il a fait quoi? Ben, tu sais, le reset flip là. Ah ouais, je connais que le nom de ça. Hein. Ouais, je sais juste que c'est une dinguerie. Du coup, ah ouais, putain, il l'a fait, oh la vache, non. Oh putain. Non, mais non, ça a dû être. Non, j'ai fait un clip. Non, j'y crois pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le reset flip, sérieux? Non. On a parlé un peu. Hein. Oui, je me. J'en perds. Plus. Oh, tu te fais. Oh, il te fait... Ah, bousculé. Oh là là, c'est jaune, c'est l'arbitre ça. Moi aussi, je reset flip, je suis plat 3. Bah, justement, plat 3, c'est bien meilleur que nous. C'est pour ça que. GG. GG en tout cas pour ce plat. Je suis plat 3 depuis une minute là et je peux te dire que je reset flip. Je peux te dire que je me suis mis au reset flip. Le petit lob. Depuis que je reset flip, j'ai perdu 15 kilos, je les remercie. Je sais pas si ça annonce ce que je fais là, mais. Ça fait de la dinguerie, gros. Le vol de boost aussi, parfois c'est des actions simples qui payent. Hein. Pour eux. Allez. Ah, yes. Oh, ok. Il veut un 1v1. Il veut provoquer le 1v1, je peux le comprendre. Il a faim de. combat. Oh la dinguerie, je suis dégoûté. Oh, oh, t'allais faire une dingue. Je t'ai pas battu, je t'ai pas battu. Non, pas du tout. Non, je croyais que c'était. Je croyais que c'était cadré, du coup j'ai eu peur. Vas-y, arrive. Ça dégage. Bon, je pars deuxième pote. Ok. Ah. Je la coupe. T'es parti. Oh bien, bien. Oh, je pars sur cette balle. Oh non, il se passe pas du tout que ce. Ah, il a la physique du jeu hein, qui est encore à prendre en main ici. Ah, c'est que flip ce qu'il fait, mais c'est pas raser. Oh bien. Il tourne. Oh, grosse puff. Oh mec, j'ai raflé, je suis dégoûté. Grosse puff. Putain, pourrait s'appeler le nom d'un joueur du FC Silmi, grosse puff. Oula, attention à ça. Grosse puff. Dangereux. Alors, ça c'est plein de balles, ça. Oh pardon. Pas de soucis. Oh pompon. Oh, là. Bien joué. Claque. Ça c'est notre portier. Une vision de jeu qui a. Franchement même la vision de ma vie a changé depuis lundi dernier. Mec mais t'as que. Oh, oh putain. C'est vrai, je me dis que j'ai même plus ça besoin de souscrire. Avec toi je me sens tellement en sécurité que j'ai même plus besoin de souscrire à une assurance. Là, je suis en mode c'est bon, je peux résilier, j'ai pompon, j'ai même plus besoin d'avoir d'assureur, c'est terminé. Mec, s'il y a des gens qui viennent cambrioler la même maison, je t'appelle. Je dis, mec, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre une claquette? Ah non. Tu peux mettre une claquette sur le cambrioleur et. Et boum, je le décale, mec. Tu sécurises ma vie, pompon. Tu le sais, ça? Par contre, là, en vrai, on est à 2.30 d'overtime. Ok, c'est terminé. On était à 2. Pile. On était pile à 2.30. Ça finit à 2.30, c'est clean. 2.30, c'est clean, en vrai. Moi, je devais bouger, donc ça tombe bien, c'est 2.30. C'est 2.30, c'est clean, en vrai, les 2.30. Ça m'arrange. Rien à dire sur les 2.30. Bien joué, là, les 2.30. Aïe. Ah ouais, j'ai été faible là sur la sortie. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais, un portier c'est un métier, hein. Demande à Pompon. Hein. En vrai, c'est un taf, ouais. Ouais, c'est un taf, je pourrais en parler des heures, mais j'ai pas trop envie de vous saouler. Mais ouais, en vrai, c'est vraiment. Plates, il se réveille là ou pas là? Allez, on va y arriver. Tu vois là, ça mec, toi t'es parti, Rive. Ouais, mais moi, ça mec, que c'est Pompon qui est parti, tu vois. Ah, j'ai quitté menu principal, ouais. Mais on est dans la recherche toujours. Oui. Je vais chercher mes récompenses, ça, mais comme. Ça, c'est juste parti ouais. Du. D'accord, ok. Alors déjà, merci Renaud Modus pour le 3e mois, merci Couscous pour le 8e, merci Romain pour le 2e mois, Bacadol, merci pour le 4e mois, le Fléau Ganon, merci pour le 3e mois. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vrai, ça. Maximum de fleurs. C'est vrai, ça. Et de coûte. À 18 là, non? C'était 17, non? Ou c'est en cours? Spidon, c'était 17, mais je crois que. Donc, un petit souci de début, c'est 18. C'est une classique. Heureusement, sinon j'aurais trouvé ça étonnant s'il n'y avait pas eu de souci. C'est normal, pour n'importe quel événement. C'est dur d'être pile à l'heure, n'empêche. Ah ouais, c'est dur, hein, je suis d'accord. Pour des événements comme ça, Popcorn, ça va, on s'en sort. Popcorn, mieux là, il y a du mieux. Franchement, il y a du mieux de ouf. Ouais, il y a du mieux. Les gens sont vraiment surpris, retard, là. Genre, fuit un temps. Bah, 10 oh, quoi. 15. Ouais, 10, en fait, ça dépend, mais quand t'as une merde à 55, t'es en mode, bah, je préfère qu'on prenne 10 minutes pour, pour que ça se passe mieux plutôt que. Ah non, on lance à tout prix. Vous nous entendez pas, mais on va corriger ça. Il n'y a pas d'image pour le moment. Le son reviendra au milieu de la chronique, on verra. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais il faut clairement mieux lancer un quart d'heure en retard que. Ça va. Ok, j'arrête de parler tranquille. Non, tranquille. J'ai vu les deux passer à travers, j'étais en mode. Okay. Ouais, par contre, je me rattrape avec cette dinguerie là. Oh oui. Oh dommage, j'étais tellement envie. Et c'est pas terminé, les dingueries. Okay. Oh le dingues. Ah oui. C'est la gige, à force de dire dinguerie, j'ai envie de dire dinguerie, c'est insupportable. Ouais. Qu'est-ce qu'il est Dingus, j'avais pas accroché. Dinguerie. Mais dinguerie et dingues, ça me dingues, détruit vraiment. Dingues, j'aime les bien. Dingues. Oh la dingues. Ouais, la dingues, ça donne bien envie quand même. Oui, ça sort, ça. Pourquoi il l'a contrôlé, chelou? Plutôt non, ça. On ira vérifier. Oh non. Là. Oh, pompon.
Oui, oh oui putain, super. C'est une danse, hein. Non, putain. C'est une danse. C'est une danse. Ah, là, c'est choré. Rive oh. Rive oh, avec le soutien du portier. Heureusement que t'étais là. Heureusement que t'étais là. Oh, dommage. Ah, dommage. Ah, dommage. Oh, j'y vais au bout. Oh, je vais au bout, sur ma ligne. Ah, dommage. Incroyable. Je vais chier, là. Je sais pas cadrer. Mais par contre, à la réponse, alors c'est non, pas terminé. C'est pour moi la suite. Mais... De quoi? Oh, je m'arrête pas. Non, c'est pour ça que j'ai tenté une... Mais c'est dingue au final. pour en revenir. Oh oui, elle est cadrée. Oh, elle est belle. Elle est belle. Continue à pousser, je suis derrière. Je reviens. Attaquez cette balle. Je le bloque. Oh là là, mais je suis... Ok, je vais attaquer cette balle. De manière pose. Extrêmement agressive. Dans une... Bien. Deux. Au centre, peut-être. Trois. Quatre. Oui, oh là là, il l'avait dit. Il joint la parole aux actes, c'est dingue. il joint la parole aux actes, bordel. Regarde, boum, de derrière, tac. C'est pour ça. Oh là, mais il est fort, il est très très fort. GG. Il joint la parole aux actes, il a vraiment dit ça. Effectivement. Oh, je suis un mort de faim, je suis un chien. Et franchement, je vous jure que vous voyez pas mon écran, mais je suis à deux doigts de rentrer des aériales, mais exceptionnelles, genre vraiment. T'as l'air plus à l'aise dans ta vie de manière générale sur le jeu, mais même de manière globale, je dirais. J'ai remarqué que je te sentais bien à l'aise. Bien à l'aise. T'es plus gênant, c'est comme avant. T'as plus ce moment un peu de cringe, un malaise, t'es. Je sais pas si tu vois ce que un père, bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas, trop bon pote. Ouais, moi je mets des buts. Oh, non, par contre, oh là là, mais attends, mais là, c'est un récital là-dessus, bravo. Le numéro 10. Aurélien Gilles. Gilles. Dans les stades où il y a personne qui répond. Genre le moustoir. C'est quoi ce stade? C'est le stade de Lorient. Oh, je sens le clash breton ici. Non, y a rien. De l'animosité. Ouais, animosité bretonne ici même, alors qu'il soutient Brest, qui touche la Ligue 1 pour la première fois depuis l'histoire du football. Non, c'est pas vrai. Non, c'est quand même la troisième fois. Quand même, m'appuie pas. Si je peux me permettre, quand même. Oh. Oh non. Oh, que c'est dommage. Oh, mais you. Je suis lion Thuram. Oui, oh père, il déboule. Allez, j'ai tenté le petit. Il va dribbler. Oh là là, j'ai tapé un rebond. Quelque chose là ici. Hashtag pression. Oh non. Hashtag. Oh, il y a plus rien. Non, c'est à côté, non. Non, c'est large à côté. De toute façon, on mène de deux buts. Hein. Aïe. Cette balle va d'un camp à l'autre. Je suis horrible. Hein. Gros, je suis atroce. Je vois trop cette sensation, c'est tu joues puis d'un coup. Genre juste tu nappes, ouais, tu roules quoi. Ouais, t'es en mode bon. Immonde, y'a aucune réussite, c'est de la merde. Je mets la balle en hauteur, je suis content. Je vais chercher un bout, je le crame en deux secondes. C'est vraiment genre, je sers à rien. Non, mais en vrai, à partir du moment où t'attaques la balle, même si tu la touches pas, tu sers. Parce que tu crées le mouvement, tu vois. Pardon, parfait alors. Mais qui t'a créé le mouvement. Il y a France 2006 qui est allé en finale grâce à des mecs, grâce à un mec qui marchait sur l'eau. Nous, on a Ponce qui marche sur l'eau, ça nous suffit. Donc, c'est énorme, regarde, on a Rivenzi aussi qui conclut ici extrêmement bien avec ce but. Rive, là, t'es quand même pas mal du tout là. Ouais. Là, je m'envole, regarde, je contrôle la balle. Hop là, voilà. Putain, bravo, ça a quitté en face. Ça a quitté en face. Ouais, est-ce que peut-être le plat pour Rive là? Non, ça serait beau. Non, on a perdu 3 fois, on va pas maintenant. Mais non, mais c'était un tournoi. Ah, je suis orc 3 division 4. Ok, next game. C'est le moment ou jamais. Mais... Alors peut-être. On va le faire. On va le faire. Ensemble. Ensemble. Allez. Petit point culture de la Panenka vient du joueur Antonin Panenka qui fut le premier à tirer un penalty de cette manière. Bien sûr. Tout à fait. C'est donné, non, mais c'est cadeau et on te remercie. Comme Arconada hein, d'ailleurs, qui était aussi un gardien. L'Arconada qui veut dire laisser passer la balle entre ses jambes. Ah oui. Et donc c'était aussi un gardien de but. Alors je ne sais plus, hein, c'est peut-être qu'il était italien, je pense. C'est comme Grandpon. Mais genre. Grandpon, François Grandpon. Calé pour la espagnol, première espagnol, fois. Espagnol Arconada, pardon.
Coupe du Monde 48, hein, magnifique, François Grandpont. François Grandpont, monstre. Grandpont. Il a juste laissé passer la balle d'un côté d'un gars, finalement, bravo. Très très chaud, le François Grandpont. Finale Euro 84, ah ouais. Mais du coup, cet temps de laisser passer sa, la balle entre ses jambes en mode... Parce que pas je... Sans... C'est j'ai du mal à voir. Il tire ou passe en retrait, et en gros, il veut la ramasser, tu sais, en mode il se baisse. Et tu sais, il écarte les jambes en voulant ramasser, et tu sais, il met son buste vers le sol et donc vers la balle qui arrive à, par terre, et en fait il la laisse passer, quoi. Genre, ça j'ai jamais aussi peu compris un move, gros. Excusez-moi, mais en fait c'est parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était le truc où tu laisses passer la balle entre tes jambes pour l'attaquant qui vient derrière pour qu'il mette une frappe et du coup ça braille la défense. Non, c'est juste il a choke en fait. Il a juste choqué. En fait c'est un choke hard, ok, d'accord. Oui. C'est ça, c'est un hard choke de la balle passe entre tes jambes et t'as pas été capable de l'attraper avec tes mains, quoi. Ah ok, c'est un peu, c'est une domingo sur LOL en fait. C'est ça. C'est ça, c'est trop fier. C'est ça, exactement, c'est une domingo, tout à fait. Ah ok, donc c'est un choc, quoi, c'est quelqu'un qui... Okay. C'est une grosse merde, oui. Non mais qu'on me dise, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment similaire à moi, quoi. C'est vrai. Ok. Connaissez vous Juan Sombrero? Non mais arrêtez. Ce serait plus tiré dans le mur, quoi, une domingo. Ouais. Oui, non mais, c'est, non mais en gros, c'est dans le sens où c'est un nom, mais pas d'un move ultra stylé. Enfin si, mais qui n'amène pas nécessairement la victoire, ça que je veux dire. Voilà, défaite, hein, même. C'est, Même plutôt la défaite, parfois, effectivement. Oui. Le contre. Oui. 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 Il y a Drogba ? Oui. Oui. Le footballeur ? Oui. Hop là. Hop là. Oh là, c'est dur. Oh ! Le contre, derrière ? C'est comme il y a Patrice, celle de pigeon aussi, c'est vrai. Mais on peut toutes les faire, on peut absolument toutes les faire. Elle de pige. Elle nous a fait penser à pigeon, c'est pour ça. Elle de pige, côté gauche. Oh là là, là je t'ai senti, je t'ai attendu là. Ouais, mais si vous saviez à quel point je suis déçu de rater ça, parce que vraiment là, je la touche, il y a but, c'est sublime. Je marque l'histoire. Et tu vas marquer l'histoire. Vendredi prochain, 17h. Tu vas la marquer l'histoire. Hop, je la remets, je repars en dribble. Super, vas-y, Riv, vas-y. Je prends le boost. Oui. Ah non, mais il est dessus, super. Mais vas-y, place-toi, quoi. Ok, ouais, donc tu vois, il est plus dessus. Petite feinte, je le vois débouler. Moitié de terrain en l'air, petite feinte. Ok, alors lui, il ne sort. Ok, j'y joue. Hop, c'est juste arrêté, en fait, mec. C'est juste stop, en fait. C'est juste... C'est rien de faire des gris-gris face à moi, en fait, hein. Non, oui, la double feinte, magnifique, les gars. Comme ça, t'y vas, et t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. J'ai cru lobé. Putain, il me saoule. Ishii Smurf. Ishii Smurf. Je sais pas. Après, il dribble. Sauf qu'il ne sait pas. Il ne sait pas qui il est en face de lui. Mais par contre, il nous connaît mal. Il nous connaît très mal, si vous voulez tout savoir. Très lourd en face. Hop là, regarde ça. Il peut smurfer autant qu'il veut, ça ne... le petit lobe c'était suffisant. On le fume, dis-le. C'est les termes. On te détruit, frère. On te détruit. Mais il ne devient pas du tout friendly en deux secondes. On te détruit. Oh, il loupe quand même. Il choue là sur ses petites. Sur les petits roulés là qu'il nous met. Hop. Oh là là, j'ai failli me la récup, c'était rien. J'arrive pas à savoir si c'est ironique quand tu me dis ça, mais ça me fout. Rien. C'était tellement. Vraiment, c'est ma faute là pour vous. De pas tous les mecs. On pense au plat de Riv. Oui, pardon, excusez-moi, ouais, je me refocus pour le plat de Riv. Ah ouais, non, je croyais qu'on menait deux buts et c'est pour ça que j'ai all-in. Oh, je suis désolé. J'ai envie d'un TF4. Y'a rien. Ok. Je reste derrière. Ouais, j'ai in de ouf. Très cyberpunk ça. Et boum. Vous revenez. Je sens que je vais avoir de l'impact. Oh. Oui, père. Oui, père, continue. Je l'ai poussé. Oui, père. Je pousse tout le monde. Oh, je suis gênant sans le savoir. C'est but derrière. Quelqu'un s'envole ? Non, j'ai mal prévu, mal pré-shot. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Je vous en veux pas, attention, je vous en veux pas. Attention, on compte. Je vous en veux pas, merci, bro. Oui, c'est pour moi ça. Oh, joueur seul. But. Qui s'envole. Putain, dommage. Il retient. C'est but. C'est lobé. Mec, tu mérites du but. Oh là là, il est magnifique, mais putain, mais c'est un plaisir. Ah non, il me boum. Je vois rien. Je le compte. Ouais, je donne tout ce que j'ai, j'en ai rien à foutre. Une 19, les gars, une 19. Oh, je veux contre. Il me lobe. Je leur lobe. Je me suis permis. Elle est cadrée, je crois. Ouais, petit filet. Y'a but. Oui. Let's go ! On met le bus, les gars, on met le bus, hein. Allons chercher ce plat. Elle est belle. On met le bus, hein.
On y va. Bien joué, ça. 3-2 et derrière, là, il y a un qui passe. Hein. Mais là, tu viens de monter, du coup. Moi ouais, je viens de monter à Division 4, ouais. Après, quand t'enchaînes les victoires, tu peux quand même... Tu montes plus vite, c'est ça? Ouais, quand t'enchaînes les victoires, il me semble. Mais après, je pense que là, tu monteras pas plate, ça m'étonnerait. Non, pas sur celle-là. Mais après, je pense... Si on regagne une autre, on peut... la prochaine, t'es en train de dire que... Peut-être. Attends. Gagner celle-là. Par contre, ouais, c'est pas gagné ici. Hein. C'est quand même pas loin. Oh, les deux côtés gauche, vous me régalez, bravo. Stylé, non? Oh, oui, encore. Vas-y, plus rien. Bon. Non, mais en vrai, il y avait un truc, hein, il y avait un vrai truc. Non, mais il est partout. Je le renard fou. Justement. Par c'est contre, attention. Ok. Oh là là. J'ai pu rentrer dans les cages en mode. Oh là là, mais merci d'être un ami de à ce moment-là vouloir mon plate. Hein. Mais je veux aussi jouer, gros. Oh, le centre. Il est parfait. On va le chercher, ton plate. Oh, il est Oh non, dommage. J'ai... Oh, il perd. Oh, non, Repli, les gars, repli. Repli stratégique, les gars. Il y a encore 2-3 de choc, forcément. Il y a encore un peu de furiture dans notre gameplay. Oh là, ça s'arrête. La sortie est très très belle. Hein. Rive, je voilà, ce que j'ai dit, ça se voit pas en vie. Oh. On la laisse mourir. Oh non, dommage. On la laisse au sol. Voilà, ouais, c'est mort, c'est terminé. Joué, les gars. C'est terminé. C'est fait. C'est fait. Ça me fait penser au commentaring sur les FIFA, genre FIFA 2004. À la fin de chaque match. C'est fait. À la fin de chaque match. C'est fait. T'es pas monté ou pas, Rive? Ah bah non. T'es pas monté ou pas, ma phrase. T'es div 2 toi ou pas? Ouais, je suis monté div 2, ouais. Ouais, grind, grind. Allez. C'est fait. Allez, un Rive. Hein. Ok, juste focus les gars. Merci beaucoup Abdoul Soubois pour le 5e mois. Merci à Erin pour le 11e mois. Pau Gilbert, merci pour le 4e mois. Aurélis, merci pour le 3e mois. Yann Mouth, merci pour le 4e mois. Souille, merci pour le 4e mois. Merci à vous les fleurs. 32. Merci beaucoup. Oui. On est top 50% des joueurs. Top 50% des joueurs. Meilleur que la moitié des joueurs à présent. Dans un tournoi Platonly. Oh, la manette de câble. Le câble de la manette. Y'a pas de goal. Tranquille. Le câble de la manette, mais... Enfin, ouais. Rive. T'inquiète pas, y a un goal. Ok, ça va. Ok, je vais la renvoyer fort, du coup. Je pense qu'il a entendu. Ok. On se remet dedans. Oh, petite hypoglycémie pour moi. J'irai peut-être chercher un petit gâteau tout à l'heure. Ah ouais. On va des comme ça. Bah, Rive, c'est but, c'est free. Oh non, pas du tout. Super ce but, Rive. Super, moi aussi. Super. Au top. Super l'équipe là, bravo. Peut-être quelques temps en goal, ça peut quand même. Peut-être rester un petit peu dans les cages, ça peut. Il y a un moment, ça se passe. On a un peu de recul aussi, sur la dalle. Oh. Ah, je suis mort. Oh, j'ai essayé. Putain, mais en vrai, je tente, hein. En fait, j'essaye de partir sur les ballons en étant confiant. Punaise, mais. Oui, mais faux. Faut être confiant. Et au pire, tu la rates, mais tu vas ajuster au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, dommage ça. En oppo. Ok, dommage. Je pensais pas du tout qu'il allait se passer ça. Oh, je le dribble lui. Oh, je dribble l'autre. Oh non, je peux. Non, non. Un seul. Ok. J'ai. Ah. J'ai pas moi. Oh non. Ouais, on m'a. Oh non, il avait pas. Okay. Oh non, il avait. Putain, non. Ouais, on m'a. C'est pas grave. Moi qui t'ai bougé, en fait, je t'ai pas vu. Aucun. Regarde, là, je t'embête. Y'a aucun sous, mec. Aïe. Mec, y'a aucun sous. Oh non, l'erreur là-dessus. Ça joue rien pourtant. Allez. FIFA 2004 à chaque arrêt. Pas de problème pour le gardien. Oui. Vraiment, hein, genre. T'es en mode bon, ça va, compris. Pas de problème pour le gardien. Et maintenant, t'as le stadier. Le speaker. C'est vrai. Okay. Et on a une Peugeot qui attend sur le parking, s'il vous plaît. C'est marrant qu'ils mettent ça quand même. Ouais, je sais pas. C'est une ambiance champêtre, quoi. Toujours mieux que les commentaires de Pierre Ménès, mais bon. Putain, mais c'est bon. Quand même fou, hein. C'est quand même fou que ça soit depuis aussi longtemps. Merde. Ah ouais. Pardon. Ça fait depuis combien de temps que c'est Pierre Ménès? Ah, ça fait des années, ça. Ça date là maintenant. Ça va faire 10 ans hein, que c'est dessus, enfin, genre vraiment. Ouais, mais c'est pas les mêmes, il est rangé. 5-6 ans au moins. Non, mais du coup, souvent, t'as un ton très ironique où t'as pas envie de caster, de jouer et d'avoir Pierre Ménès qui est en train de te dire action de merde. C'est ça, ouais. En vrai, c'est ça, c'est horrible. Genre, ah, il aurait mieux fait de rester au vestiaire. Ah oui, c'est que des trucs comme ça, ok, je vois, ouais. Donc en fait, c'est un ton un peu. Ils ont, je pense, voulu avoir les personnalités. Mais... dans 4 ans, ouais, 2016-17, je crois. Ah, 4 ans seulement? Oh, j'ai l'impression que ça fait des années que ça. Il a les pieds carrés! Dans ce genre de truc, quoi. C'est vrai que 10 ans, c'était qui avant? C'était moi, gros. Gilardi, il a fait Gilardi. C'était moi. T'as dit qui? C'était moi. 3-4 ans, bon, histoire de rentrer un peu de sous, c'était alimentaire. Job d'été, commentateur pour FIFA. N'empêche que tu dois te mettre bien parce que les droits, plus toutes les ventes et tout. Je pense que, ouais, c'est.
Je sais pas du tout combien ça. Je sais pas. Ça rapporte ce genre de truc. J'avoue que j'ai aucune idée. Tu touches en droit SACEM en faisant des trucs comme ça, ouais. C'est pas des droits SACEM, non, mais. Je rigole. Ouais, royalties, un truc. Ouais, royalties, ouais. Je pense. Je sais pas si c'est par. Comment ça s'appelle, par rapport à. Juste à pige en mode t'as écrit tes lignes. Parce que ça a l'air d'être beaucoup ça quand même dans les comédiens doubleurs. T'as écrit tes lignes. Ouais, pardon, t'es payé à la ligne quoi. Enfin, t'es genre, ça, Donald. Oh. T'es payé à ta ligne et. Les doubleurs, que le film marche de ouf ou pas, ça change rien quoi, je crois. Payé au lignage. Ah oui, non, ça je pense ça change rien pour le coup. Non, non, ça change. T'as pas un pourcentage de machin. De... C'est ça quoi, c'est, t'es juste en mode bon bah cool, j'ai fait ça et c'est propre. C'est Donald là, quand on l'a vu à Destruction All Star, je le chauffais. je me permets, les gars, hein, pardon. Bah, super. Vas-y, mets un petit but. Non, mais tu fais bien, mec, tu fais bien. Vraiment très classique. Mais comment ça s'appelle ? Je lui disais, mais mec, tu devrais tellement lancer un compte TikTok, toi. Il a des voix tellement iconiques et tout. Ouais, de ouf. Bah oui. Genre, il a Titeuf, il a Spider-Man, c'est gagné. Ouais. De ouf. Bah oui, oui. Des fois, quand on parlait avec Donald, je m'arrêtais, j'étais en mode putain, mais c'est lui quoi, c'est Spider-Man. Je m'arrêtais deux secondes et j'étais en mode putain, il y a Spider-Man qui me demande mon numéro, c'est énorme. C'était. Oh oui. C'est ouf. Il est tellement gentil, Donald. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais, il est vraiment adorable. Il est super intéressant et tout. Et intéressé, tu sais, il s'intéresse vachement à toi et tout, c'est trop gentil. Ouais, c'est vraiment, vraiment très cool. Et même sur sa tête, j'ai l'impression qu'il sourit tout le temps. Vous trouvez pas qu'il a, ouais, il a gentil, les yeux malicieux? Ouais, il sourit tout le temps, vraiment, il est. Ça régale. C'est juste beau. Sora dans Kingdom Hearts. Donald Reynu a fait une voix dans Breath of the Wild. Ah bon ? Après, en même temps, c'est un des plus. Enfin, un des doubleurs français les plus. Les plus connus, quoi, finalement. Donc, ça m'étonnerait pas tant que ça non plus. Oh là là, il fait vraiment rater le but. C'est une catastrophe. Sérieux ? J'essaye de toucher, mais tu vois, est-ce que vous kiffez. Pardon, ok. Non, t'inquiète. Reconnaître la voix du comédien doubleur, justement, ou c'est un truc. Ah ouais, moi j'adore ça. Ah ouais, les Benoît Hamel, les Richard Darbois, les. Ah ouais, les. Moi j'adore la VF quoi. Enfin vraiment, c'est. J'aime bien savoir qui a fait quoi et tout. Ouais, ça je peux comprendre, mais c'est vrai que parfois moi, tu sais, sur des. Comment ça s'appelle ? Sur des bails ou quoi, et ça m'avait fait ça avec Donald par exemple. J'étais en mode ah putain, ouais, c'est Donald. Mais je sais pas comment expliquer, tu sais, ce truc de. Ça me sortait un peu du truc maintenant. Du coup, t'es en mode bon, on sait que c'est Donald, c'est sa voix. Ouais, un peu. Enfin, ça m'avait fait ça pour je sais plus quel moment. Et du coup, j'étais en mode ah bah merde, tu vois. Est-ce que c'est parce que je l'ai. Parce qu'après, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses aussi. Donald, par exemple, il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Ouais, Donald, bah, il y a des gens qui disent qu'on le voit trop, tu vois, par exemple. Ouais, enfin, qu'on l'entend trop, du coup, mais. Après, c'est parce que nous, on est très digital et tout, donc on a l'impression. Ouais. Alors qu'en fait, bah, en ce moment, ça fait longtemps qu'il a pas fait de nouveaux trucs ou quoi, donc. Merde, pardon. C'est bon, tranquille. On parle de qui ? On parle de Donald Reynu, qui est la voix notamment de Titeuf de Spider-Man aussi, par exemple ? Ouais, par exemple. Enfin, de tellement de choses et de gens. De la voix de celui qui joue dans Social Network aussi, cet acteur-là. Oui, J'ai oublié. J'ai plus le nom, mais. De Reese aussi, ouais. Dans Malcolm. Non, mais il en a énormément. Ouais. Oui, je crois qu'il joue Klaus aussi dans Umbrella Academy. Honnêtement, il est. Oui, clairement. C'est un des boss, quoi. Jesse Eisenberg, c'est ça. C'est la voix aussi de Jesse Eisenberg, ouais. Enfin, trop stylé. Totalement de gens, en fait. De vraiment, vraiment beaucoup de gens. C'est ma voix aussi de temps en temps. Des fois, quand je suis fatigué, je demande à Donald de me doubler, quoi. Bon, Rive. C'est la bonne là. Hein. On est d'accord que là on a... En gros, si on gagne celle-là, je monte plate. Je pense. Et si je monte plate, je... Waouh. Waouh. Ok. Juste focus quoi. Donc c'est maintenant. Allez. Andrew Garfield, c'est ça aussi. Ouais. C'était PADG qui... Parce que c'est sympa, lui, il faisait justement sur TikTok... Avec son compte, genre il mettait tous les trucs de pub, etc. C'est vrai que lui, il a fait énormément de pubs, genre de café, de trucs comme ça, genre. Carte noire. C'est intéressant. J'aime bien les coulisses, un peu les petits bails justement sur le doublage et tout. C'est assez cool. C'est assez stylé. Les comédiens doubleurs sont vraiment très forts et en France, on a vraiment de la chance en plus. Ouais, de fou. Ah, c'est trop intéressant quand tu vois parce que tu sais, tu discutes avec. Il y a une époque, par exemple, vraiment chez Disney, par exemple, il y avait vraiment un travail qui a été fait chez les doubleurs étrangers, en dehors de l'Angleterre.
Notamment, bah, on demandait aux doubleurs de Disney dans les années 90 de savoir doubler, mais aussi savoir chanter. Et c'est pour ça que t'as des Richard Darbois, donc, qui faisait par exemple le génie dans Aladdin, qui bah, en fait a un rôle insane, parce qu'il doit non seulement faire le génie qui se transforme en plein de trucs, mais aussi chanter en même temps. Ouais. T'es en mode, mais attends, mais c'est un talent de dingue, quoi. Ouais, genre, ouais, vraiment, tu fais tout. Faire. Et c'est... C'est assez ouf, en vrai. Moi, j'ai quand même du mal à mettre la VF, tu vois. Dessin animé, ça me gêne pas, mais sur les voix d'acteurs, je suis... Ah, pareil, sur les voix d'acteurs, moi, je fais pas. 90% du temps... De VO. Y a jamais ouais, de moment où je me dis, tiens, je vais mettre la VF, tu vois, s'il y a la VO de dispo, quoi. Bah, pareil. Pareil, moi, les films, c'est que VO. Après, moi, les dessins animés, animations et tout, j'adore les VF, pour le coup. J'adore les VF. Genre, les animés, tu les mates en VF? J'en ai maté genre quelques-uns. Attack of Titans, là, que t'as maté. Non, ça, Attaque des Titans, je regarde en VO. Je regarde en VO. Pour le coup. Tu regardes en VF, toi ? Moi, je regarde en VF, ouais. En fait, le problème, c'est qu'avec les animés, c'est hyper particulier, dans le sens où, tu sais, les animés, souvent, quand ils discutent entre eux, mais ils parlent comme ça, ils parlent ouais. Tu vois, pour dire limite, je crois que je vais aller acheter du pain ! J'ai envie de pain ! Tu vois, genre, vraiment. Et du coup, c'est vrai qu'en français, ça donne un truc bizarre, et je pense que c'est plus adéquat, enfin, c'est plus en adéquation avec la culture japonaise, je pense, ce phrasé-là sur les animes, tu vois. Je trouve. Parce ouais, que ouais, vrai, moi je trouvais ça cool. Moi j'ai bien aimé la VF sur SNK, j'avoue. Après, je suis pas un mordu de VF, c'est à dire qu'il y a des fois où j'aime bien la VF, des fois où je l'aime un peu moins. Je teste souvent les deux. Après, il y a des VF, je suis en mode mon dieu, et du coup, j'arrête. C'est pas une caricature cliché, hein, ce que j'ai dit, c'est vrai, le jeu, c'est connu, hein, le jeu japonais du doublage, etc. est beaucoup plus intense, oui, par exemple, que le jeu français qui est beaucoup plus intimiste. C'est pas, en fait, c'est pas un cliché, c'est vrai quoi. Les comédiens ils peuvent te le dire aussi. C'est par exemple. Le français sera souvent plus intimiste, par exemple, que l'américain aussi, tu vois. Par exemple, l'américain qui va souvent surjouer, ce genre de choses, c'est des trucs très vrais qui existent, ce sont des faits, quoi. Et du coup, j'avoue que les dialogues japonais, parfois, hyper engagés dans le phrasé, mais pas forcément dans le sens, entre guillemets, c'est pas très français. C'est pas très francophone dans le phrasé, tu vois. Allez. C'est ça, le truc. Moi, j'ai du mal parfois, tu vois, sur les gros films, tu vois, genre vraiment avec des gros acteurs. Parfois, tu sais, le côté. Le mec joue un truc, tu vois, genre les De Niro, etc., tu vois, ce genre de film un peu, tu vois. Et le moment où, du coup, le mec joue De Niro par-dessus De Niro, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, genre qui peut me gêner dans la VF. Mais au final, c'est la voix de Niro que tu entends. C'est ça que tu veux dire? La voix du mec qui fait De Niro. La voix du doubleur de l'acteur de Niro. Exactement, t'es en train de jouer la scène de. Écoute-moi bien. Tu vois, genre. Et toi, t'es en mode, c'est la voix de Niro. Et pourtant, genre, De Niro, la VF et tout, est ouf et tout, mais c'est vrai que ça m'avait fait ça un moment, hein, où j'étais en mode, ça m'avait déco du film. Et j'avais pas. Après, bon, c'est du détail, ça reste pas. Ça reste bon niveau, mais j'avoue que. À l'époque, en plus, j'étais. Tu vois, au cinéma, t'es beaucoup en VF quand même, quoi. Surtout quand t'es petit. Et tout, mais. Je sais pas, avec les séries et tout, ça m'a mis beaucoup VO. Mais c'est vrai que pour les animés, par exemple, c'est chiant parce que quand c'est en japonais, bon, y a pas le moment où tu décodes deux secondes les yeux de l'écran, c'est fini, quoi. Ah oui, c'est faut être attentif, quoi. Ouais, c'est. De ouf. Très attentif. Message, il s'est passé trois trucs quoi. Il s'est pas ouf. Et surtout que le rythme des animés, c'est qu'il se passe quand même souvent beaucoup de choses quoi. Donc tu réponds à un message, tu dois remater l'épisode limite. Merde, je fais non. Ok. Il reste une minute là, mon frère. Allez, une minute pour un plat, hein. Ouais, on y croit. On donne tout. Ah oui, non, c'est vrai. Ah non. Elle est belle cette balle. Attention. Oh, il la prend pas. Vous l'avez ? Bien joué, père. Oui, tu la défends. Je la dégage fort. Allez, 40 secondes. On se refocus, tranquille. Je la pousse un peu, mais j'ai pas de boost. Hein. Donc je vais au contre, je vais au contre, mais j'ai rien. Si t'as du boost là maintenant. Ouais, j'en ai, mais je peux rien. Riff, c'est bien. Je me turn. Je m'envole. Ils l'ont. Ouais. Encore Riff, tu peux peut-être taper. Faut la pousser. Ah, oh, il la prend. J'allais détruire, putain. Je la décale fort, middle. Ah, il la ressort. 15 secondes. Allez, on la ressort fort. Voilà, on la ressort fort, il l'arrête. Ouais. Non, il l'arrête pas. Réponse. Il l'a, derrière. Oh, il la reprend. Maintenant. Encore. Non. Peut-être quelqu'un la reprend. Ah ouais, mais vite, Riff. Je sais pas comment. Ah, dommage. Aïe. Dur. Naze. Ah. Putain, il met un vieux but et puis après. Et le démote. Non, c'est vrai.
Non, Silver. Il faut gagner deux fois du coup. Mais t'as pas perdu division. Non. Ok. Non. Oh, dommage, la chasse du plat. Ça t'en fait une ou deux. Une petite last. Allez, petite last. Merci beaucoup, Ampèremétrique, pour les 5 abonnements offerts sur la chaîne. C'est hyper gentil. C'est merci, Ampèremétrique. Merci aussi, Dylan Cinéma, pour le 3e mois. Merci à GeekyKitKat pour le 6e mois. Et Ampèremétrique, merci aussi pour l'abonnement. Bienvenue. Et Le Mans, merci pour le 10e mois. Merci à vous, les fleurs. Merci beaucoup. Et après, la VF dans les films, ça va vraiment dépendre. Je suis un peu comme toi, Père. C'est-à-dire, quand il y a des grands films avec des grands acteurs, des fois, je suis en mode, oh, j'ai quand même bien envie de laisser le jeu original et tout. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Sans que ça soit non plus dégradant pour les acteurs ou quoi, mais ça reste que t'as envie d'avoir le. Enfin, les mecs sont tellement mythiques parfois que. Ouais, c'est ça. Ouais, en clairement. Fait, si c'est ça, je crois que c'était le film là, de... mais qui était pas ouf en plus, mais de 3 heures sur Netflix là, avec De Niro, Al Capone. Et Richman. Ouais. Où ils ont fait tout un travail là pour rajeunir et tout. Et je crois que j'avais maté en VF et j'étais en mode, honnêtement, à un moment j'étais en mode, je trouve ça un peu naze même, tu vois, genre c'était un peu dur pour le mec qui jouait, mais ça me sort un peu du truc, j'avoue. Et déjà le film, est, honnêtement, j'ai pas kiffé le film, quoi. Je crois que j'ai pas réussi à le finir d'ailleurs. Okay, qu'est-ce qu'il était long, il se passait rien, putain. C'était quoi le film? The Irishman, avec Al Capone, Al Pacino, pardon. Ah, moi je confonds. Al Capote, c'est un gangster de ouf et. J'ai bien aimé sa perf. Hein. Et en gros, c'était un film. Je peux même pas réussir à te le pitcher quoi. Mais du coup, le truc c'est que le film durait 2h45, un truc comme ça, et il est très très lent quand même quoi. Ça, ouais, tu t'es fait chier quoi. Ah, il y a des gens qui ont kiffé, le film est bien, mais c'est ouais, très très lent, c'est. Moi j'ai un peu décroché, après je décroche vite. C'est 3h30 pardon, c'est pas 2h, oui c'est 3h30, c'est vraiment 3h30 j'avais de film. J'avais peur d'être américain en... en disant 3h mais... Ouais, ah c'est 3h30 les gars. Mais pas du tout. Pour vous, boum. Oh non, oh, je la remets. Boum, bien joué. Oh non, il la sort. Boum, oh là là, oh là, ils se font une deux. Incroyable. Boom. Oui. Oui, monsieur. Putain, ils en ont arrêté des balles, hein. The fuck. C'est, ouais. Ça va rentrer. Bien vu, pompon, ça. J'ai entendu. Survive là-bas. Ok. J'ai ça. Ah, bien. Je continue à pousser un peu si vous avez. Ouais, peut-être, si tu peux. Oh, je le pousse vite. Ah, je la repousse contre le mur pour. Ah, c'était trop fort. Armé sur PA. Je la repousse. Je le repousse. Je la re. Non. Oh, oh bien joué, lui. Oh là là. Magnifique, sa balle. Bien joué. Oh non. Ah, ça joue bien. Bien joué. On les full domine. Bloc bas. On les full domine. Et... aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Barthus pour le Prime. Owana pour le 3e mois. Et Babien pour le 5e mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais quel défaitiste. Ça sent la fin de cesse. Ça sent bientôt la fin de cesse. Non. Aïe. Non, tranquille. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, Domingo qui s'envole. Il s'envole. Allez. Oui. Bien joué, mec. Ça, c'est mon PA. Regardez ça. Il déboule côté gauche. Il leur fait l'amour sans préliminaire. Et là, terminé mon sort. Et là, regardez, bam. Une frappe limpide. Magnifique angle. Le foot. Tout à fait. On aime le football. Vas-y, je suis derrière toi, Père. Let's go. Petite piquée, là, tu vois. Henry, je pars trop tôt, moi, sur mes erreurs. On a senti de l'envie, hein. Ah ouais, là, il avait l'envie d'avoir envie. Ah, je pense que t'as eu le temps de te replacer, putain. Ah, je back instant, moi, quand je me replace, tac. Ah ouais, mais c'était déjà là. J'avais peur, peut-être, d'avoir fait le centre qui part en contre-attaque, là. Merde. Oh, parce que c'est ça. Oh non, là-dessus. Oh, sous la barre. Oh non, c'est génial. Oh, putain, c'est moi qui aurais dû te laisser passer. Non, mais j'étais pas. J'ai essayé de la contrôle, il m'a. Oh, il a un bon. Oh non, la chance. Il met des buts terribles. Ouais, il met des buts un peu terribles. C'est pas trop mérité, mais. En fait, j'ai voulu la contrôle, j'aurais dû la frapper. Comme dirait Benoît Paire, la chatte. Ah bah là, ouais, clairement. Je citerai ce grand philosophe français. Merci Speedix pour le 5e mois, merci beaucoup Speedix. De temps à autre. Gros fêtard aussi, mais... Qui? Benoît Paire.
En même temps, il est Avignonégrois. Ah, il se met ce qu'il mérite, hein. Il se met ce qu'il mérite. Non. Aucun rapport d'ailleurs entre Avignon et la fête, mais. T'as compris. J'ai bien compris que ça aimait le pastaga. Notamment, bien sûr. Et il a bien raison d'en profiter quand il peut, surtout dans ces moments compliqués. Pourquoi il parle comme un commentateur sportif? Je ne sais pas, c'est tout à fait insupportable. Oh, elle est très dangereuse cette balle, mais elle est complètement décalée. Ah, non, mais dis pas qu'ils mettent encore un but de manière random, ok. Non, c'est bon. On la sort, on la sort. Allez les gars, minute 30. Ouf. Oh, mais il s'impose, là, il a de l'envie encore. Hein. Oh, là les gars, là c'est pour quelqu'un là. Ah, c'est quelqu'un qui s'entraîne aux aériennes très très hautes. Ouais, je l'ai eu, hein, mais bon, c'est pas évident l'angle. Oh. Ah, c'est... Oh, pompon. Pompon, pompon, pompon. Oh oui. Let's go, let's go, oui, let's go, les gars. Mino. Let's go. Ah, ouais, non, ça, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Regardez, boum, un peu freestyle, tac. Boum, boum. Comme filette. Ça. C'est filette. Merci Tropical. Merci pour le Prime Tropical. Allez, bienvenue. Tu es fort. Très fort. Comme la mixtape qui arrive, gros. Ça charbonne, mec. Ça fait ouais, 4 ans et demi qu'on est en stud. Ah, mec, ça sort. Ça va. On a un gros truc, vraiment un gros projet, grosse mixtape quoi. Truc, ça fait, ouais, ça fait 4 ans et demi en gros. Et bon, normalement, je pense que ça sort d'ici 7-8 ans quoi. Donc ça charbe. Ça charbe. Bien le temps de te poser dessus quoi. Ouais, mec, ça mec, je fais ça toute la journée, gros. Je fais ça toute la journée. Je fais que ça. Comme dirait Mouda Chour, c'est dur d'être rappeur. Il pose des questions comme ça. Ah, mec, je fais que ça. Je fais que ça. Je compose, je mets des buts. Enfin, c'est que ça, mec. Rocket League et compo quoi. Ouais. Toute ta vie t'as voulu être un rappeur. C'est ça. Est-ce que aujourd'hui t'es un rappeur? C'est mon Loup d'Achour qui pose ses questions. Il pose des questions comme ça. C'est dur d'être un rappeur. Est-ce que ta mère t'a dit je t'aime récemment? L'enfer. On sent que dans cet album t'as envie de dire je t'aime. Est-ce que quelqu'un t'a dit je t'aime? Non, je sais pas, Mouloud, je sais pas. Là, tout de suite, je sais pas. En tout cas, si personne te l'a dit, sache que je t'aime moi. Non, ok Mouloud, ok. Let's go, let's go. En tout cas. Aïe aïe aïe. Voilà, c'est le calice jusqu'à l'Ali. Ouais, bien sûr. Et on adore l'Ali, bien sûr. On leur met tout. Ce qu'il mérite. C'est terrible cette expression. Ce qu'il mérite, c'est horrible. Hein. Personne ne mérite d'être mis, quoi, enfin de se faire mettre, quoi, si je puis dire. C'est un enfer. Mais lui, ce qu'il mérite. Moi, je trouve l'expression la plus dégueulasse, c'est est-ce que tu veux me la tenir? Je trouve que c'est la pire expression. Genre celle qui me. À chaque fois que quelqu'un me le dit, je suis en mode. Moi je l'entends peu. Oui, ouais, bah je l'entends de temps en temps. J'ai déjà entendu de temps en temps et je suis en mode. J'avoue quand même, cette expression elle est assez rare quoi. Elle tu me la tiens. Non, mais elle est atroce. Enfin, ça peut être pour une bière ou quoi, tu vois, mais même en ce moment c'est rare quand même, j'avoue. Non, mais tu veux me la tenir. Tu sais, mais au bar, tu veux me la tenir, je suis en mode. Oui, bon, bah, ça va. Moi j'ai pas de beauf, hein, donc c'est arrivé okay. Que je l'entende. Après, c'est peut-être spécifique à la Bretagne. Ça met toujours bien. L'oreille noire. Bon, bah GG pour cette game. On s'arrête sur cette session parce que si on gagne la prochaine. Allez, mais je crois que Ponce est plus dans le groupe là. Moi je suis plus dans le groupe, ouais. T'es plus dans le groupe, ouais. T'as quitté. Vous voulez en faire une last? Petite last? Bah, c'est-à-dire que si je gagne, je suis peut-être plate donc. Ok, enfin, last pour voir si t'es plate. Petite der. Mais vraiment der, der, der. Quoi qu'il arrive, c'est la der. Ouais, quoi qu'il arrive, der. Quoi qu'il arrive. Bah, en fait, ouais. Allez. Vous avez. Je vous ai invité. Ouais, tu veux me réinviter si tu veux? Je suis là normalement. T'as les invités? Ça va rejoindre, je pense. Oui, je rejoins, ouais. Je les invite, c'est spammé, ne t'en fais pas. Ouais. J'ai accepté une invitation, ça me... Ouais, ça tu te sens comment? Ouais, je... Tu peux réinviter? Ouais. Pourquoi j'ai une musique qui vient de pop, là? Ah, il y a déjà eu ça, bon. Ah non. Attends, je quitte le jeu. Ah, parce c'est vrai. Non, mais là, il y a vraiment une musique dans le jeu, ça me... C'est une meuf qui parle, c'est ça, qui est un peu... Non, là, c'est juste l'ambiance qui est insane. J'ai obligé de relancer le jeu parce que... Des petits packs, en fait. T'as des packs? Faut que tu packs, mec, faut packer. Cadeau bonus. Je vais me faire ban ma chaîne juste pour ça, c'est énorme. Putain, j'ai quand même 148 heures sur... Sur Rocket League maintenant, quand même. Mine de rien. Putain, le sticker... Mais attends, mais j'ai l'impression d'être sur un rooftop parisien, c'est insupportable. Moi aussi j'ai un son. Ah ouais? Je te mets une petite bière, ouais. T'as pas une roulée, man? Non, tu peux me rien, ouais. T'as pas une roulée? T'as pas du feu? Ouais, 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 t'inquiète, ouais. Non, je fume pas. Ok. Ah merde, ok. Et du coup? Bah non. Ok, t'as tu m'as dit quoi? Non plus. Ok. Ah,
Demain, c'est la première fois. Ouais. Non, je n'ai pas de feu. T'as un stagiaire, toi? T'as quoi? C'est improbable. Non, non plus. Non plus. T'as un feu? Non, je suis pas en stage pour la clope. Non, je suis en alternance. Non, non, je veux du tabac, du tabac, du tabac. C'est les meilleures discussions en soirée, ça, c'est énorme. Du tabac. Non, je te demandais juste si t'avais déjà fait un stage Erasmus. C'est non, je ne m'épile pas l'anus. Non. Pardon. Quand un mec est trop loin de toi et c'est la musique à fond, et le mec part en monologue, tu n'entends absolument rien et t'oses pas le couper. Bah ouais, et si tu lui dis quoi, de toute façon, tu vas pas mieux entendre. Hein. C'est le même là, avec le mec en boîte dans l'oreille de la meuf. Oui, bah c'est exactement ça. Mais en vrai, c'est classique. Hein. C'est classique, c'est classique. Moi, ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, être en mode ouais, de ouf. De ouf. Ah ouais, génial. C'est trop bien. Okay. Les réponses automatiques. Ouais, c'est ça. Mais mon père est mort. Ah. Super énorme. Putain, pareil. Et c'est énorme en vrai. Non. Bah non, ah, tu rigoles. Énorme. Non. Pour rien. Toujours pas. Ok. Ok, je pousse. Putain, celle-là, donc du coup, c'est plate. Hein. Celle-là, c'est plate, ouais. C'est plate ou c'est rien? C'est plate ou c'est rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est la dernière émission. Ah non. C'est plate ou c'est rien. Qui me bloque sur mon aérial. Ah, c'est moi. Vas-y, ouais. Ça me met au fond du cerveau. L'adversaire, il bloque ses coéquipiers. Je vais vous la centrer, je pense. Non. Il arrive derrière moi, il pousse. Ah, il pousse, PA, c'est ça, on est d'accord. Je gagne le boost. Je gagne le boost là-dessus. Bien joué, bon. Ok, j'y vais, rêve. Ok, vas-y. Ok, j'ai. Pas. J'ai. Je fais n'importe quoi, ça me fume. Un mec, là, j'ai. Ah, j'ai pas, mais j'ai le boost encore. Je leur vole beaucoup de boost, hein. En termes d'économie, ils sont très mal. Bien, oh, là, la défense. Contre, arrive. Magnifique. Ça se voit que t'as faim, là. Hein. il le mérite, son rive. Son plate. Putain, il mérite son rive, j'ai dit. Ouais, bah. Oh là là, il remonte. Il oh non. Oh, elle est belle, oh celle-là. Dommage. Plate, il mérite son rive, quand même. Le plate, il mérite son rive, ici. Il va peut-être monter rive. Oh le plate. Oh, le vol de boost. Je suis que dans le boost, moi. Non. Non, rive. Non, rive. Non, rive. Aïe, non, aïe, aïe, aïe. On ouais, pardon, collé, je fais n'importe quoi, pardon. Je sentais, c'était chelou, c'était bizarre. Ouais, c'était chelou d'être là. Bon, là merci au car pour le 30e mois, Medium pour le Prime, Medouda pour le 3e mois, Lavabo Sama pour le 3e mois, Gojira pour l'abonnement, Kakouk pour le Prime, Kins pour le 3e mois, Toulags aussi, merci pour l'abonnement, Meadu, merci pour le 3e mois, Bobby Cléry, merci pour l'abonnement, et Moiline, merci pour l'abonnement, et je ne sais pas pourquoi je vous remercie en plein match, ça ne se fait pas du tout, mais je vous remercie, les fleurs. Pascal, c'est un blaze. Oh non, j'ai eu un bug, en vrai, j'ai eu un vrai bug par contre, en vrai, j'ai eu un vrai bug dans le sens où... Oh non, t'as pas envie, Rive, t'as pas envie. Non mais en vrai, il y a eu un vrai bug dans le sens où j'ai vu Ponce toucher la balle, et elle a rebondi sur lui, et... Non mais j'avoue qu'à la base de la base... C'était bizarre, avouez, c'était bizarre. Ouais, l'ambiance est chelou, ouais. Vas-y, à toi, Rive. À la base de la base, c'est moi qui rate la balle. Dans le 6-9. C'est là où on peut pas t'en vouloir, c'est que... C'est Sofran, non? Pascal Sofran, ah oui, c'est Pascal Sofran. Je savais pas si c'était la blague. Oh là. Les gars. Pascal Chauffort. Oh, oh PA, quel compte favorable. C'est Pascal Chauffort. Pascal Chauffort, j'étais en mode why not. La vieille contrefaçon. Salut, c'est Pascal Chauffort. Ah non, Pascal Chauffort du coup. Non, mais non. Oh, tu te perds, j'ai l'impression que tu te perds. Pardon, c'est Pascal Chauffort, pardon. Je sais plus où j'en suis, moi. Enfin, non plus. Si c'est Pascal Chauffort, c'est le vrai. Pascal Chauffort, c'est son frère. Bref, allez, deux buts à mettre en 2 minutes 30, juste si on peut refocus, les gars, ça m'arrange, ça arrange tout le monde ici. Il y a un peu de fatigue. Bon, allez, c'est... allez, voilà. Ouais, c'est, pas mal. C'est pas mal. Ils ont fait de rive. C'est bien. Peut-être quelque chose là. Allez, il y a un truc à aller chercher. Ça part de ce but exceptionnel, hein. Par contre, ça part vraiment de là. Merci beaucoup, Manny Dream. Merci pour le 5e mois. Ah là, c'est fou, comme notre niveau. Allez, on a rien dit. Allez, PA, t'y vas. Rive, tu restes dans les cages. J'y vais derrière. Okay, ok. Bah ouais, mais du coup. Non, y a rien. Catastrophe, cette team, ça me fume. Ah, ouais, forcément. Parce que du coup, moi j'ai pas de boost, je suis devant. Et du coup, t'es. Ouais. Comment ça t'as pas de boost? Parce que t'as pris. En fait, j'ai dit j'y vais. Ouais, y'a une incompréhension, t'inquiète. Mais en gros, j'ai dit j'y vais. Y'avait le boost, tu l'as pris, t'as reculé, du coup, j'avais pas de boost. Et du coup, je suis mal placé. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave, tranquille. 2 minutes 23 pour marquer l'histoire. Buts, hein. Oui. L'histoire est déjà inscrite. Hein. Ok. Poi, oi, oi, je suis dessus. Dommage. Personne au cache. Bah oui, personne au cache, du coup, bien vu. Et tu reviens, PA, peut-être? Ouais, non. Ouais, vas-y, je reviens là-dessus. Hein. Non. Le pinch sur toi? Ok. Un peu, ouais.
J'avais pas de deuxième. PA, il va, oui. Oh, elle est belle celle-là, elle va vite en plus. C'est une grosse frappe. C'est un Silmi. Ouais, mais tu vois, ce genre-là comme ça. Ça, avec pompon. Oh, elle est magnifique, tu dingue. PA, yes. Oui, voilà, allez. Les gars. On revient. Hein. Là, c'est 1040 maintenant. Allez. Je te cache pas que la transversale elle faisait mal. Allez, go. Allez, les gars. Je reste derrière. 3 là. Ça serait beau que tu nous mettes un petit but, Rive. Ça ne sert pas à grand chose. Ça montrerait qu'on n'a pas rien à foutre, quoi. J'ai explosé. C'est chaud. Oh. On dirait que t'en as pas rien à foutre. Oh non, mais c'est trop. On prouverait que t'en as quelque chose à foutre de cette game, quoi. Oh, il y a cette game. Et de nous et de tes potes, quoi, finalement. Des gens qui jouent avec toi, en tout cas. Ok, c'est des cas. Putain, et j'ai pris mes resp en défense là, par contre, pour le coup. Ah oui, oui, ça. Ouais, j'ai boum un gars. Ouais, j'ai pas d'info. C'est l'info. Ouais, ça passe au-dessus, ça. Super, Rive. Je la mets fort. J'y vais. Vas-y. Allez-y, les gars. Ah, dommage, Rive. Pardon. C'est quoi? Recentre, peut-être. Ouais, je suis nickel, ami. Tu me le dis, ça. En fait, j'ai pas de gros boost. C'est ça qui est l'enfer. Ouais, j'étais nu aussi. Ok, ça part de là, il nous reste 44 secondes pour marquer l'histoire. Peut-être Rivendi en plate pour la première fois de sa vie après 825 000 heures de jeu. Je la dégage fort, pinch. C'est. Ok. Ouais, contré. Ouais, je l'ai. C'est un peu dur, je suis désolé. Oh. Je comprends. C'est moi. J'ai ruiné la game. Non, j'ai aidé aussi, j'ai aidé à ça. J'aurais dû me rasseoir. J'ai ruiné la game. J'aurais dû me rasseoir. Ouais, regarde, genre là, j'aurais dû me casser et faire ouais, vous l'avez, hein. Regarde, j'ai fait ce que j'ai fait, mec. Ouais, bah après, je l'avais pas, donc bon. Allez, c'est pas fini, il reste 30 secondes alors peut-être. Hein. Allez. Ouais, 30 secondes de but, on l'a déjà fait. Je suis en double lame. Je suis en double lame. Allez. Super, l'explo. Genre, mais quoi? Yes, ah, dommage. C'est pas terminé, c'est que le début. T'as genre, j'ai pas eu un boost pendant 8 minutes, c'était l'enfer. Elle est belle cette balle, pas du tout. Oh la vache. Oh la vache. Je crois que... Non, par contre là, y a pas de regret à avoir. Hein, parce non, que... y a aucun regret. Ouais, c'est vraiment dommage, quoi. C'est dommage que mes potes veulent pas que j'aille en plate, quoi. C'est bah nous, mec, on rêve de ça, mais nous on y est, on t'attend, quoi. Enfin, on essaye. Ouais, tu sais, on fait les games ensemble, hein, frérot. C'est... Allez, c'est 14 secondes pour mettre 3 buts, c'est... Ça met des buts contre. C'est peut-être réalisable, notamment sur cette frappe. Oh! Alors, il en manque 2 en 10 secondes, hein! 5 secondes par but! On l'a déjà fait. Ah ouais, là ça change la donne. Là, ça peut le faire! Ouais, là, ça... Bah, super, c'est à toi! Ouais, j'ai. Bah, je pars côté, hein, du coup. Oui, GGG, et c'est même pas une blague? En vrai? Non, mais en vrai! Oh la chance! Il a arrêté, putain, j'étais boom! C'est le début, c'est le début! Joueur terre! Oui, joueur terre! Je m'envole sur ça! Et je redescends. Ah, bonne soirée. Non, bah écoutez les gars, on part sur une belle défaite, quoi. On part sur une belle def, mais rien à se reprocher, quoi. Non, vraiment rien à se reprocher. Un beau tournoi, une belle def. Enfin, le poncif, mais rien à se reprocher sur la défaite. Franchement, on a ultra bien joué, donc C'est pas notre faute. Moi, je vais aller crier dans mon oreiller. Moi, je vous laisse. Super. Moi, j'ai gratté une petite div. Hein, pareil, non mais pareil. Pareil, mec. Enfin... Pareil, je suis monté perso, donc yes, moi c'est une bonne, c'est une belle session. Pour moi, c'est positif. Trop content pour vous les boys, vous avez bien fait. Non, bah écoutez les gars, en vrai, on se la remet vendredi, on est d'accord. Bah ouais, je suis chaud Je sais pas ce que tu remets, mais moi je veux bien le tournoi, jouer vendredi. Le tournoi, ça peut être ouais. Cool, ça m'a pas mal, ça m'a donné un peu d'adrénaline et tout. Bah ouais, vendredi prochain, 17h, le tournoi, on voit jusqu'où on monte, quoi. Vas-y, on est là, fraté. Vas-y. C'est ça. Et eh ben merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end. Gros bisous les copains, merci beaucoup pour ce moment, toujours agréable. Ouais, ciao. À lundi. Ouais, ciao. FC Silmi, hein, en tenue. Bien sûr, FC Silmi. Bien sûr. Messieurs, dames, on va se laisser ici. C'était très cool. En vrai, c'était très très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce live entre Mario Tennis, puis ensuite Rocket League. C'était vraiment trop cool. J'adore. Merci Manny Poppins pour le 8e mois. Merci The Tone pour le 7e. Lofek pour le 5e. LFT, merci pour le Prime. Chacho, merci pour le 6e mois. Merci à vous. Écoutez, on raid Speedon, qui est donc l'événement organisé par Mister MV. C'est du speedrun pendant 55 heures, messieurs, dames. C'est un événement caritatif pour soulever des fonds pour Médecins du Monde. Je vous fais confiance pour le raid /raid
Mister MV, bien sûr. On envoie un maximum de cœurs et de fleurs dans le chat de MV, même si ça les embête, c'est pas grave. On envoie le raid, rejoignez le raid. On arrive fort sur la chaîne de MV. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi. Nous, on se donne rendez-vous dimanche à 13h pour le tournoi Mario Kart, bien sûr. Passez un très bon vendredi soir et un très bon samedi. Gros bisous et à dimanche, rejoignez le raid et on arrive fort. Bisous. Bisous les fleurs. Ciao.